Coffee break. Hello à tous, hello à hello tous. Les gars. Et les filles, hein, il n'y a pas que des ouais, gars. Hello les gars et les filles. Je suis déjà repris il y a une heure et maintenant. Pense à tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui, c'est la dernière coffee break de la semaine. Attention, pas la dernière de l'année, mais la dernière de la semaine. Et on a l'honneur aujourd'hui de terminer la semaine en beauté avec Danny Wild qui vous prépare un superbe décor. Et franchement, ça nous a fait rire, donc je pense que ça vous fera tous rigoler en l'accueillant sur ce live. C'est simple, le concept de Coffee Break, pour ceux qui le découvrent sur la page notamment de Danny Wild aujourd'hui ou sur les nouvelles pages en cross-post, c'est une heure de fun avec un artiste français. On tient bien à préciser et à garder l'accent sur le français parce que ça, c'est ce qu'on va faire ces prochains mois pendant le confinement et un peu plus. On va essayer de mettre en spotlight les artistes français parce que la France, il y a énormément de très bons artistes et Danny Wild en fait partie. Il a énormément de choses à raconter et on peut dire qu'il a une belle carrière et du coup, c'est avec un grand plaisir qu'il a accepté de venir en fait dans Coffee Break aujourd'hui. Surtout que ce soir, il a quelque chose de plutôt stressant, je crois, pour lui. Ouais. Et plutôt où il a beaucoup travaillé. Donc, il va nous en parler tout à l'heure. On ne va pas plus traîner. En tout cas, sachez juste une chose. Si vous voulez que vos commentaires s'affichent sur ce live, voilà, la seule prescription qu'on vous demande, parce qu'on fait évoluer de jour en jour, c'est d'aller sur la page Lumberjack, vous ouvrez le live et vous mettez vos commentaires. Et nous, en fait, on les affiche. Après, n'oubliez pas de commenter aussi sur le live de Danny Wild et sur toutes les autres pages cross-postées. Mais si vous voulez qu'il s'affiche, le petit côté un peu live and direct, n'hésitez pas de commenter et on pourra poser les questions directement à Danny. Je ne sais pas si tout est clair. Je pense que tout est, tout est parfait. Moi, je suis en train d'ouvrir les autres pages, dont la page de Danny exprès pour pouvoir aller checker les commentaires de ceux qui ne seraient pas sur notre page. Voilà. En attendant, je pense que... on peut passer un petit truc. On va balancer ce que ça. Alors, c'est marrant parce que l'After Movie, il assoit directement ce que fait Danny et c'est léché, ses qualités. C'est Osso qu'on connaît très bien, Osso à Rouen. Donc, on fait un gros big up à Bernie qui a dit je vais checker et qui garde un œil sur tout ça. Donc, comme quoi l'équipe est petite, mais on est toujours là. En tout cas, on envoie l'After Movie de Danny Osso. On se retrouve juste après et on l'accueille ensuite sur le live de Coffee Break. C'est parti. Je pense que là, je vais lancer les applaudissements, je vais lancer l'alarme, c'est parti. Mais voilà. Le chiffre CO2, comme ça, ça part sur les côtés. Non, mais c'est très classe, c'est bien représentatif de son image depuis des années. Et on est vraiment très excités de pouvoir le recevoir. On est plutôt pas mal, ça commence à monter sur le live, on est 200, ça continue. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être super impatients, n'hésitez pas à repartager pour donner de la force
pour apprendre plein de choses sur Dany qu'on va accueillir dans quelques instants si il n'oublie pas de réactiver son petit micro. On est avec lui et on envoie le jingle et puis on l'accueille directement juste après ça. C'est parti. Et voilà, on est de retour. Salut les gars. Voilà. Alors, pour la petite joke, voilà, comme ça tout le monde le sait, et on va pas patienter, je vais quand même afficher, comme on l'a dit, le fond d'écran de Dany. Voilà, il a bien joué le jeu, hein? Je pense Ben, qu'on... en fait, je voulais pas perdre les vieilles habitudes de nos rencontres. Je voulais pas trop vous dépayser, en fait. Tu vois, Ah, putain, mais on est Ah, mais t'avais pas con! compris? Eh non, j'avais pas compris. Tu vois, Ah, comme ben non, c'est quoi, comme ça, tu j'avais le vois. cerveau en train de penser à deux autres choses et ben voilà, ok. Donc t'as Non, non, réfléchi. puis y a un certain Antoine Clamaran qui a dit que j'habitais dans une gare, donc voilà, vous avez la preuve. Du coup, maintenant, on sait que tu es monsieur gare. Limite, il faut t'embaucher quoi pour travailler directement à la gare de. Nous, on a rigolé, on a dit que c'était gare de Vannes. Alors, je sais pas si c'est celle-là à chaque fois où on se Si, 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 croise, c'est à mais. Vannes, ouais, c'est à Vannes, on peut le faire, regarde, regarde. Voilà, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est en limite, on va te laisser en plein écran et nous, on va se mettre en petit sur la gauche, comme ça va être. Eh, le mec, il m'a dead. Avouez quand même que à tous les DJ résidents ou guests de France, surtout les guests qui nous manquent, que ce genre de son nous manque quand même. En destination de la Y a un petit côté, nostalgie là, un petit peu Voilà, qui. J'avoue, je crois que je vais me le mettre en notification WhatsApp, comme ça je l'entendrai et je me sentirai mieux. En sonnerie de téléphone, ouais, voilà. Ouais, exact. Alors, attends, je vais configurer ça. Il y a déjà plein de gens qui sont là. Il y a Roméo Coelho qui fait salut la team. Il y a Matt Perso qui rigole, qui dit en anglais, peut-être pour ceux qui aiment ton accent, parce que je parlais en anglais tout à l'heure. Il y a les bûcherons et Dany Sauvage, gâté aujourd'hui, ça c'est Fred Réo. Matt Perso qui met plein de cœur. Louis Fine qui fait mon poteau Dany, grosse bise. Pierre qui met salut Dany. Igor qui est là, qui fait salut les amis, bisous à vous trois. Stéphane qui met Dany l'un des meilleurs et des plus gentils DJ avec Oh, qui j'ai eu l'occasion de bosser, cœur sur lui. Voilà, ah, Stéphane, oui, c'est vrai. donc C'était au c'est mix. Ouais. ça y Ah, va, ça hein, aille. C'est super gentil l'accueil, merci beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup. Ah, mais vous allez, tu vas voir, hein, les gens ici, c'est que de l'amour, du love, du fun. On est là pour s'amuser, passer un bon moment. Et il n'y a pas de rageux, donc c'est ça qui est essentiel. Et franchement, ouais, le but, c'est vraiment qu'on soit de bonne humeur. Tous les négatifs, surtout aujourd'hui, je tiens à le préciser, je les envoie bouler. Voilà, surtout aujourd'hui. Donc, En non, perso, voilà. il y a un big up de Grégory Wilde qui nous fait tous un bisou. Ah oui, Grégory du Métropolis à Paris, ouais. Salut Greg. Exactement. Eh ben, c'est comme quoi ça fait plaisir. Voilà. Il y a Jérémy Jérémix Rouen qui fait aussi Hello à vous trois. Donc, voilà, il y a du monde, il y a des gens qui sont là. Nous, on est de bonne humeur. On a découvert un peu ton environnement musical, je pense même à travers ce teaser du son. On va découvrir plein d'autres environnements musicaux que tu sais faire, que tu sais amener et tu sais jouer. Et je sais pas, moi, qu'est-ce que tu dirais déjà de nous dire un petit peu simplement, on est en toute détente, de se dire un peu où tu es en ce moment, quelle région? Parce que là, on est plus dans la gare. Là, tu sais, t'es Ça y arrivé est, chez toi. voilà. Donc, Ouais, là, voilà, je suis revenu chez moi. En fait, voilà, bah, bienvenue chez moi. Donc, moi, j'habite dans le 91, en périphérie de Paris, voilà, en confinement, bien à la maison, avec mon petit balcon et mes fleurs. Ah. Voilà. Aujourd'hui, Est-ce je que suis tu as dans. essayé de planter des tomates, des trucs histoire de survivre au cas où il y a une pénurie ou pas du tout? Je suis très mauvais jardinier. Heureusement que j'ai mon petit fruitier et mon petit primeur qui me livre de temps en temps. Et c'est cool. Mais bon, c'est vrai qu'on s'occupe un petit peu comme on peut. D'où le live de ce soir, hein, sur lequel j'ai passé énormément de temps. Ça m'a pris. En fait, je me rends compte qu'en confinement, j'ai beaucoup plus de travail presque que en temps normal, en fait. On trouve tellement d'occupations parce qu'on est un petit peu obligé que voilà. Donc, c'est cool. Alors, est-ce que tu as rangé la chambre, la cave, les placards et nettoyé ta cuisine de fond en comble? Mon appart n'a jamais autant brillé qu'en ce moment. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est incroyable. Ben ouais, mais oui, mais c'est incroyable. Non, non, pour répondre à ta question, Jim, moi, je voulais juste déjà, bah, c'est le moment peut-être de vous remercier d'être là parce que c'est grâce à vous qu'on
qu'on arrive, nous, en tant que DJ, à exister et à rester un petit peu la tête hors de l'eau en termes de visibilité, grâce à des gens comme vous qui faites des petites émissions. C'est parti de rien, c'est devenu un truc super. Donc voilà, merci beaucoup, en tout cas. Merci pour. Je sais que, alors, je vais le dire à tout le monde, hein, je ne vais pas lire le message parce que c'est des choses en privé. Mais je sais que tu m'avais envoyé un message qui m'avait énormément touché suite au live de Clamaran et tout ça. Et on a vraiment apprécié, sachant que c'était déjà dans notre idée de te faire passer. Et comme on a dit, on attendait les dates. On essaie souvent de prendre les gens par rapport à un événement particulier. Et aujourd'hui, tu as un événement particulier à célébrer ce soir. Et du coup, c'est pour ça qu'on aime bien les dates où il y a de l'actu à discuter sur le jour même, parce que en plus de donner de la lumière, ça te fait une belle journée complète où il se passe plein de choses comme ça ce week-end. Tu vas pouvoir bien te reposer, si tu peux te reposer. Mais en tout cas, voilà, le message était vraiment super gentil. On l'a vraiment adoré et c'est grâce à ce genre de message, sans te mentir, qu'on continue aussi parce que c'est énormément de boulot. C'est de la dépense, même si les gens ils le voient pas. On essaye de calculer comment, parce que Amazon ne livre pas machin. On dépense des choses à côté. On essaye de se priver dans certaines choses pour alimenter, pour se dire bon bah tu vois on était 29 hier, là on est 200, on est 300, on est 400, on est 500. Peut-être dans deux mois on sera 1000. Alors que si du coup on n'apporte pas d'évolution, bah les gens ils vont dire ah t'as vu ça y est ils ont arrêté machin. Là le but c'est vraiment d'être le plus éclectique possible dans l'émission. Et justement, t'en fais partie et nous, on a besoin de ça. Et en plus, le pire, c'est qu'on a fait une liste et la liste, elle est interminable. Il y en a plein qui nous disent « Ouais, comment vous allez faire la semaine prochaine, dans deux semaines, dans un mois ?» Mais vous vous rendez seulement pas compte, en fait, du nombre d'artistes français. Il y a tellement d'artistes français sous-cotés, enfin pas sous-cotés, je dirais pas sous-cotés, mais non mis en avant depuis plein d'années. Alors qu'ils sortent des trucs, ils sont là, ils ont des dates, ils ont plein de choses, mais malheureusement, il y a peu d'actu sur eux, on les voit pas et c'est dommage. Je pense que c'est surtout que, indirectement, comme on disait, c'est le syndrome de tu ne peux pas connaître tout le monde. C'est ça aussi. Tu ne peux pas connaître tout le monde. Donc, nous, on va essayer de jouer le jeu parce qu'on est deux et qu'on a croisé quand même pas mal de monde. Et grâce à cette émission, tu sais, il y a des gens qui envoient des messages et qui disent « Ouais, faites pas passer les anciens ». Et là, tu dis « Bah qui ?»« Bah moi !» Et là, tu te renseignes, tu vas checker le mec et tu t'aperçois que c'était un vrai mec à l'époque. Et il le dit gentiment comme ça et j'ai dit « Ah, c'est vrai, ok, bah on va y penser, on va le mettre de côté ». Et la liste, elle s'allonge tous les jours. Voilà, donc merci en tout cas. On va pas faire plus long parce que non, mais c'était sincère, hein, vraiment. Hein, voilà, vous êtes des gars bien et c'est bien de faire ça. Vraiment, c'est vraiment bien. Puis ça divertit quoi en même temps. Voilà. C'est ça. Et puis ça permet de se voir sans qu'on soit ensemble. Tu vois, quand je regarde l'écran, j'ai l'impression parce que quand on re-regarde les lives après, là, je sais pas si on voit ce que ça donne sur le téléphone, mais on a l'impression qu'on est ensemble, tu sais, qu'on est tous les trois. Imaginons, j'avais le même fond que vous deux, au final, on serait tous les trois. Non, mais en fait, ça pourrait être une émission live stream depuis un de chez nous trois. C'est et ça. En fait, chacun sa caméra devant sa gueule au lieu d'avoir une caméra globale. Et c'est ça qui fait aussi un petit côté. On rentre chez tout le monde. Et c'est aussi ce côté proche qui fait du bien. Parce qu'on n'est jamais allé chez Dany. Non. Et là, on est chez lui, là, tu vois. Et là, on est chez toi. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est ça. Là, on est chez moi. On essaye. Bon, en tout cas, ça, c'est bien aussi. C'est que ça permet de resserrer des liens et notamment d'apprendre surtout des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on va en apprendre énormément sur toi. Carrément. Et qu'est-ce que tu en penses pour que j'affiche quelques messages parce qu'il y a énormément de. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Donc, j'affiche quelques messages et après, on va attaquer un peu la partie où on va démarrer. Je pense qu'on en. Allez, c'est le dernier jour de la semaine, on s'en fout de 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et demie. On est là jusqu'à qu'on en apprenne un max. Bien sûr qu'il faut le libérer parce qu'il a des lives après. Hein ouais, tant que ça s'arrête à 20h, c'est bon. Bon, bah, ça va. C'est du live. Non, mais il n'y a pas de problème. Je, avec grand plaisir. Alors, il y a des gens qui disent on est très bien devant Coffee Break. Matt Perso qui vit sans parler du Zoo Club. Il adore mettre Zoo Club tous les jours dans tous nos lives depuis maintenant un mois. Mais par contre, je le mets au défi de nous faire un live avec que du Zoo Club sur la page de l'Eclipse. Non, on peut le faire sur la page du Coffee Break juste pour l'occasion. On met prise en charge par Matt Perso. Dany a aussi un projet avec Matt Perso, mais il est peut-être trop tôt pour en parler. Ça, c'est très drôle. Pour le petit mot, Matt Perso et Fred Réau sont très complices. Et depuis le début du confinement, ils racontent plein de conneries et ça me fait bien rire. Et j'avais envoyé un petit message à Fred en lui disant merci d'être là parce que tous les matins,
je regarde ces statues et ça me fait marrer. Il est sans arrêt en train de raconter des conneries dans le genre et voilà. Non, non, on n'a pas de projet ensemble, mais je sais de quoi il parle. Voilà, c'est très drôle. C'est très drôle. Non, mais ouais. C'est canon. En tout cas, c'est vrai que dans les résidents qu'on connaît un peu tous, c'est vrai que Matt et Fred, ils sont ultra actifs. J'avoue, dès que j'allume mon téléphone, j'ai une première notif, c'est Matt perso, Fred Réo. Donc ça fait plaisir de voir que même les résidents font un maximum, et je sais que Matt, ça l'a touché parce qu'il m'a appelé la semaine dernière pour me dire que ouais, il en avait un peu marre des commentaires négatifs sur les lives, et lui, je sais que tous les soirs, il essaie de faire quelque chose, de créer, de faire des vidéos, de faire le maximum, et faut aussi dire, tous les résidents, on est avec vous et on pense à vous. Voilà. Ouais, ça, c'est un beau big up. Il y a Louis Finn qui te dit, Danny, un grand frère de FG, et quel exemple. Il y a Laurent du Duplex qui dit, on se voit à la rentrée. Voilà, espérons. Un petit bonjour à toute l'équipe du Duplex, David, Vanina, Laurent, Marie, etc. Enfin voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, avec qui je travaille tous les ans pour une fête que vous avez fait d'ailleurs, on l'a fait ensemble, c'était la fête de l'année dernière, qui était vraiment exceptionnelle. Et cette année, elle est malheureusement évidemment annulée. Moi, j'ai le cœur serré par rapport à ça parce que c'est vraiment un événement que j'attends tous les ans avec impatience et voilà, donc je suis un peu triste par rapport à ça, mais bon. Après, peut-être, je pense, hein, même si on ne pourra pas le faire à grande envergure, je pense que tu pourras toujours prendre un billet de train et aller rejoindre David et puis célébrer ça en petit comité parce qu'il adore les barbecues et je ne pense pas que ça le dérangera. Ah non, bien au contraire. Mais de toute façon, sortie du confinement, on va tous avoir envie de bouger, d'aller revoir les amis, etc. C'est normal, quoi. Voilà, on va être tous. C'est déjà compliqué de rester enfermé. Ouais. Même sans mixer, j'ai envie de te dire, vraiment, ouais, essayer de rebouger, parce qu'on est en manque de ça, quoi. Juste se dire, je pense que quand t'as envie d'acheter une baguette, t'ouvres ta porte, tu vas l'acheter, tu rentres chez toi, ça c'est déjà un truc qui maintenant tu te dis, attends, il faut que j'y aille qu'une fois par semaine, il faut que j'y aille dans deux semaines, faut calculer du pain que tu mets dans le congélateur, enfin, des choses que t'as, en fait, d'habitude, c'était freestyle, t'allais poster un courrier, tu sortais de chez toi, tu rentrais. Là, maintenant, tu attends d'aller poster tout en même temps trois semaines après en allant la boîte la plus proche de chez toi au cas où si on te voit, on dit « Oh, t'as vu, il est sorti !» Voilà, non, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est surtout très anxiogène pour les gens. Je peux comprendre qu'il y a des gens… Il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont des appartements, il y en a qui ont des balcons, il y en a qui n'ont pas. Et c'est clair que selon les conditions, c'est un peu plus difficile pour certains. Et faut être fort, faut respecter le truc parce que malgré tout, je pense que… c'est mieux, mais c'est mon avis perso. Mais après, voilà, faut juste, quand on va déconfiner, y aller doucement, mais quand on va vraiment pouvoir ressortir, on va, je pense, avoir plus de liens humains, ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, carrément. Tous ensemble. Je pense que là, tu peux faire un gros big up à Greg pour le message qu'il a mis. Mon ex-associé, bon, on n'est pas ex-associé, on est toujours associé, j'ai envie de te dire, sur plein de choses. Et surtout, ami, Greg, c'était le directeur de la com du Queen pendant 15 ans. C'est là-bas que je l'ai connu et depuis, on est toujours amis, en fait, et on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà. Et en ce moment, d'ailleurs, je salue son courage parce qu'il est vice-président du Yanni. C'est ça que je voulais... Et il est là pour faire remonter toutes les informations des oubliés de la nuit. Donc, quand on parle de ça, c'est des discothèques, etc. Voilà, donc big up à Greg pour tout ce qu'il fait en sous-marin pendant ce confinement pour nous, en tout cas. Voilà. C'est ça. On a vu qu'il y avait plein d'actions. Là, tu nous en parleras peut-être, mais... Il y a Antoine Baduel qui a lancé un FG pour DJ ou for DJ. Parce que même moi, j'ai essayé de comprendre dans les lignes, mais je pense j'ai que... J'ai fait pareil, j'ai pas... Plus j'ai de pas détails, je pense que le mieux, ça serait même limite d'avoir Antoine avec nous pour en parler, mais... Je pense que c'est le plus simple. Moi, j'ai lu aussi son statut que j'ai partagé, relayé. J'ai trouvé l'initiative formidable. Par contre, après, c'est dit, c'est expliqué dans les grandes lignes. Ce serait une très bonne idée de l'inviter. Et je pense que peut-être qu'il serait, carrément d'accord pour en parler. Ouais, ouais. Je pense que tu sais, on est toujours un peu des abrutis quand ça commence à devenir un peu compliqué. Et il faut toujours un peu comprendre dans les grandes lignes. Et je pense que dit par la personne elle-même qui essaye de faire du coup la chose, c'est toujours mieux perçu par les gens. Donc, on va essayer de lui proposer. Mais si toi, tu pourras nous en toucher deux mots aussi, si tu en as eu quelques sons de cloche.
Non, alors je ne les ai pas eu au téléphone, je n'ai pas eu l'équipe d'FG au téléphone depuis l'apparition de ce statut. D'après ce que j'ai compris, c'est un fonds de solidarité pour les DJ les plus en difficulté, C'est mais ça. qui concerne tout le monde. Hein. Et par contre, comment ça va fonctionner C'est et ça. quel fonds ça va être pris, je ne sais pas encore. J'en sais pas plus. Bah C'est tout frais. voilà, en tout cas, Ça date d'hier, donc c'est voilà. ça. En tout cas, on a vu qu'il y avait Jimmy qui passait un big up, donc gros big up à Jimmy Kyle. Et d'ailleurs, tu viens d'entendre ce qu'on a dit. Donc, si tu veux remonter l'info à Antoine avant la fin du Avec live, grand eh plaisir. ben, on le welcome avec grand plaisir. Alors, du coup, je termine avec deux, trois petits messages. Voilà, on peut connaître le parcours de Dani. Bah, c'est fait pour ça C'est l'émission. le live. Donc, je pense que les gens veulent que ça commence. On va commencer. Allez, c'est parti. On va poser la toute première question et qui, comme ça, pour rentrer dans le vif du sujet. Et après, on va pouvoir dérouler sur. Bah, sur 80 stories, sur ton live de ce soir et tout ça. Et la première question, elle est toute simple et bateau, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es devenu le Danny Wilde DJ que tout le monde connaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis un pied dans la musique de ta jeunesse ou qu'est-ce qui a fait que ça t'a inspiré? D'accord. Vous avez 2-3 heures devant vous là, parce que Ouais, je pars. alors. C'est toi qui as une limite de temps. Bon, nous perso, on n'est pas trop, on n'a pas Tu trop. veux On va que je te essayer. mette un décompte de 2 minutes à chaque fois pour Ah répondre? oui, ouais, comme dans les débats Non, mais politiques, ouais. vraiment, alors attends, Temps de parole. je vais peut-être pas te mettre 2 minutes, mais je vais essayer de regarder. Regarde, attends. Moi perso, j'allais dire Danny Boy, ministre de la Culture ou un truc comme ça, ou secrétaire d'État, ça pourrait être pas mal, hein. Culturellement, on pourrait se marier. Il est bête. Ouais, c'est Alors sûr. attends, je vais changer par. Regarde, on le fait en direct, hein, c'est du live and direct, on est toujours dans ce délire-là. Allez, c'est parti, je l'affiche. Voilà, 5 minutes, tu le vois au-dessus de ta tête? Ah ouais, Voilà. c'est bon. 5 minutes, Magnifique. et eh ben écoute, t'as 5 minutes pour répondre à cette question, comme ça dans ta tête ça se coordonne par rapport au timing. Allez, c'est parti. On vient d'inventer un nouveau concept, bah, il faudra l'appliquer En aux autres direct, invités. c'est ça. Non, bah en fait, comment j'en suis arrivé là? Bah, je crois que j'ai toujours été passionné depuis que je suis tout petit. Mon plus beau cadeau d'anniversaire, ça a été un manche-disque quand j'avais 7-8 ans. Et je passais toutes mes petites économies. Pour ceux qui connaissent pas le manche-disque, hein, c'était un espèce Ouais, de lecteur il faut bien préciser. de vinyle avec une poignée, et on insérait les 45 tours dans un espèce de petit tiroir, et donc ça mangeait les disques et ça les lisait, donc d'où le nom manche-disque. Et puis en fait, je passais toutes mes petites économies à acheter des 45 tours, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé par être animateur radio sur une radio locale à l'époque avec mon meilleur ami, dans la région de Troyes, dans l'Aube, d'où je viens. Et puis ça a duré 2 ans. Ça m'a amené à trouver mon premier club en résidence, pareil, dans la région. J'ai fait mes petites armes, etc. Et puis encore une fois, de résidence en résidence, bah, j'ai commencé à évoluer, bosser dans des plus gros clubs, etc. Et puis en 15 ans de temps, est arrivé le Queen à Paris, etc. Donc là, j'ai sauté plusieurs étapes, mais c'était pour Bien résumer. sûr. Je dirais que la personne qui m'a, on va dire, il y a des gens qui m'ont influencé dans ce métier, qui m'ont donné goût à ce métier, qui m'ont donné envie de jouer. Bah, c'est l'occasion pour moi de les remercier et de leur faire un petit coucou au départ. J'ai rencontré une personne très importante au départ qui s'appelle Eric Stillet, d'ailleurs, je pense qu'il me regarde là en ce moment, qui est un excellent DJ et qui lui connaissait et est très ami avec Antoine Clamaran. Et on avait la chance d'avoir Antoine Clamaran résident dans un club, il en a parlé d'ailleurs dans son interview, qui s'appelle le Stylis. Oui, Exactement, ouais. Voilà, à Troyes et à Auxerre. Et moi, j'habitais donc à Troyes. Et j'allais, quand à l'âge de 20 ans, j'allais le voir tous les week-ends. Je passais mes soirées collées contre la vitre de la cabine à essayer de comprendre ce qu'il faisait. Je lui parlais pas, hein, je l'ai beaucoup observé. Mais c'est vrai que, bon, il le sait pas, mais il m'a énormément apporté de technicité, on va dire, et m'a énormément fait comprendre les choses. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a une technique incroyable De dingue. qui a une lecture du dancefloor aussi incroyable. Donc voilà. Et puis avec Eric, j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir plusieurs fois au Palace quand le Palace était sur la fin du Palace, quand il faisait les Getty Dance le dimanche. Puis après, on le suivait au Queen aussi pour les Overkill du dimanche soir. Et puis là, je prenais claque sur claque, donc évidemment. Et puis je rentrais dans ma petite province après. Et puis j'essayais de faire pareil et ça marchait pas. Donc voilà, mais quand j'ai
quand j'ai eu la chance, grâce à ces gens-là, de pouvoir fréquenter ces clubs-là, c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Si je veux être DJ, mais c'est comme ça que je veux le faire et pas autrement. Voilà. Ah bah. Donc voilà. Puis ensuite, j'ai continué mes résidences. Je continuais à aller voir Antoine par-ci, par-là. Et puis, je me suis mis à la production. Le nom Danny Wilde est arrivé. Et puis, ma résidence. Queen, etc. Puis, alors, comment le nom, parce que ça, c'est une question aussi qui vient, donc c'est parfait que tu y arrives là, parce que tu as largement le temps d'y répondre. Comment le nom Danny Wilde est arrivé? Ah, j'ai encore une minute 27. En fait, à l'époque, quand j'ai commencé à avoir des petites dates à droite à gauche, j'avais pas de blaze. Et si je me rappelle bien, j'ai un pote à l'époque, quand j'habitais sur Mulhouse, qui a organisé une soirée et qui m'a dit je suis en train de faire le flyer, je mets quoi comme nom? J'ai dit je sais pas, tu vas pas mettre mon nom, mon vrai nom, mon vrai prénom, ça sonne pas bien en nom d'artiste, alors du coup, fallait trouver un pseudonyme. Et lui me dit je m'appelle Brett Sinclair. Et j'ai dit ok, d'accord. C'est cool. Et j'ai un pote à côté de moi, je crois que c'était Robin, l'animateur de Nostalgie Mulhouse. Qui dit au téléphone, écoute, t'as qu'à mettre Danny Wilde, comme ça vous ferez le duo Danny Wilde, Brett Sinclair de la série Amicalement Vôtre, la grosse série. Et tu sais, il y en a un qui a mis Prêcheur, il a mis Amicalement Vôtre, point d'interrogation. Ça vient de là, en fait. Et ça s'est fait en 2 minutes, et puis j'ai dit à mon pote au téléphone, j'ai dit, oui, tiens, vas-y, mets Danny Wilde, écris-le comme ça, pas pareil que dans la série pour éviter d'avoir des problèmes. Et puis roule, quoi. Et puis en fait, c'est resté, et ça fait. C'est un nom qu'on m'a donné quelque part, et puis ça fait 15 ans que je le porte, quoi. Voilà. Tu sais que ton histoire, elle est quand même proche, mais je ne sais pas si tu es au courant, de Bob Sinclair. Lui, ça vient de Belmondo, dans le Magnifique. Exactement. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est quand même fort, tu vois. Et, bon, lui, par contre, il a dit, il n'a pas rajouté 2B à Bob. Hein, il a pris Bob Sinclair, voilà, tel que c'est écrit. Mais je crois que. Non, le Saint-Clair dans le film, il est il y a écrit. Un E à la fin. Non, c'est Saint-Clair, je crois. Ah ouais, il me semble. Je veux pas raconter. Attends, alors là, vous me mettez sur. Non, c'est Bob Sinclair, ouais, comme ça. Ça s'écrit Fain Serra qui est parmi nous, qui met le. L'info. Ouais, c'est ça. C-L-A-R-E, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Alors, il y a Mag qui met trop fort. Alors, il y a Mag, justement, qui a mis un message un peu plus haut. Attendez que je revienne dessus. Elle a mis un message qui était en rapport à une sortie d'aujourd'hui. Je vais te laisser, si tu as envie d'en parler, peut-être 30 secondes. Mais c'est la sortie de Elle, tu sais. En fait, c'est le titre. Alors, c'est marrant parce que c'est ce qu'on disait, la boucle est bouclée, parce que c'est le titre que tu nous avais fait écouter à la fête du Cassoulet. Voilà. Et tu me l'avais fait découvrir et j'ai dit waouh, parce que pour une version française, c'était quelque chose de massif. Et oui, je me rappelle, sur la terrasse de l'hôtel. Voilà. Exactement. Ensuite, exactement. Il s'est passé. Oh, toi, tu dis exactement, t'étais sous la douche. J'étais sous la douche, mais t'es revenu, t'es remonté, frère. Non, il est sérieux. Il est remonté. Non, pour l'histoire, il est remonté. Il a dit c'est un truc de ouf. Vraiment, c'était cool. Il a dit c'est un truc de ouf pour un truc français. Et, du coup, on en a parlé il y a un mois, je crois. Ensuite, s'en est arrivé Bassner sur le live. Et puis, on a parlé encore de ce titre par la suite de Pascal Léotti, Bassner et tout ça. Aujourd'hui, c'est la sortie. Et on a fait passer le clip dans l'heure d'avant pour que les gens puissent donner une note. Et il y a eu énormément de 4 et de 5 et de 4,5 sur 5, attention, par rapport au clip et au son. Et je sais que voilà, toi, tu nous avais fait découvrir. Et j'avais envie de dire, peut-être je me trompe, mais que tu étais quand même un des acteurs de la sortie de ce titre, je pense. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. En fait, c'est vrai que la vie et la carrière, c'est une histoire de rencontres, de partage, de gens qu'on peut rencontrer à droite à gauche. Et cet été, je suis allé jouer à Toulouse au BAO. Et en fait, Bassner était là. Et donc, c'est quelqu'un que j'avais croisé déjà 2 ou 3 fois. Et on parlait production. Et puis, il m'a dit, écoute, je t'enverrai un petit dossier si tu peux écouter. Et donc, j'ai écouté son dossier en rentrant à Paris. Il y a un titre, notamment celui-ci, qui m'a interpellé et je me suis dit, waouh, putain, chanter en français comme ça, une reprise des Crystal Waters, et en plus, c'est vraiment bien fait. Et du coup, je l'ai appelé et de là, je lui ai dit, écoute, je pense que c'est la cam d'FG, enfin, c'est exactement du quota français pour Radio FG. J'ai dit, je pense que le morceau n'est pas bien construit, si ça ne te dérange pas, je refais une jolie edit un peu plus radio, quoi, un peu plus radio, calibré radio. Et il m'a dit, vas-y, feu. Donc, je l'ai fait, j'ai passé un petit peu de temps dessus, et puis je l'ai proposé à FG,
Et j'ai la rentrée en 2 jours, en fait. Donc, les mecs étaient hyper contents. Il faut savoir que le titre, c'est Pascal Léotti et Bassner. Voilà, c'est ça. Et attends, hyper... et la chanteuse, t'oublies. Colline. Et Colline, voilà. Parce que tu sais, nous, on a un syndrome de l'oubli ici. Dès que tu oublies un nom, tu te fais engueuler par la personne. Donc, vaut mieux ne pas oublier personne. Attention. Ou de... Bah, à l'origine, c'est Pascal Léotti qui est à l'origine du titre et Bassner est rentré dans la boucle, a apporté la chanteuse. Et puis moi, j'ai juste pris quand même, le titre, j'ai posé et voilà, moi j'ai rien fait de bien. C'est un petit élément déclencheur, on dira. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et parce que j'ai bien aimé le titre et voilà, j'ai voulu un petit peu les aider avec le peu moyen que j'ai, donc c'est cool. Et puis en fait, s'en est suivi une signature chez Playtou. Le tournage dans le clip et le titre sort bientôt et c'est génial pour eux quoi. Sorti aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis si tu veux qu'on rediffuse 10 secondes du clip, on peut, mais il est sorti aujourd'hui et du coup voilà. Donc c'est, on leur fait un gros big up en tout cas parce que c'est un peu la famille et justement que tout le monde est un peu passé parce qu'elle est au titre bientôt. Donc on essaye de faire un maximum de bruit dessus. Donc il y a Miss qui met excellent titre, merci de nous avoir fait découvrir tout à l'heure dans les feedbacks. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je sais pas si Chris, tu peux remettre peut-être le lien de la vidéo YouTube, voilà, pour donner un coup de main. Alors du coup ça c'était pour les copains. On va enchaîner avec une autre question. Et oui. Comme ça on va pouvoir peut-être certainement parler de teaser 80 story. Quel est le tout premier club dans lequel tu as mixé pour la toute première fois, première question, et dans lequel tu as mixé en tant que Danny Wilde pour la première fois. Et ça, du coup, ça rapproche ce que tu as dit tout à l'heure. Alors là, ma toute première résidence, ouais, ça a été un club qui s'appelait l'Exocet à Arcis-sur-Aube en pleine campagne. C'est très précis. D'ailleurs, c'était plus un musée qu'un club. La première fois que je suis allé là-bas, le patron, c'était un collectionneur de vieilles choses. Et quand on rentrait dans le club, il y avait des vieilles voitures, il y avait des répliques de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe. Enfin, c'était un truc incroyable. Voilà, c'est le tout premier club que j'ai fait. Le tout premier club où mes copains venaient me voir, etc. J'ai fait mes armes là-bas. J'avais un peu carte blanche. Non, je crois que c'est fermé depuis. Vous savez, c'était encore des clubs où il y avait la piste tournante et tout, là, etc. C'est old school, c'est vintage. Moi, tu sais, ça me fait penser à une période avec les rollers. À chaque fois, quand je vois ça, j'imagine les rollers dans la discothèque. Tu sais, les gens, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça, ce club-là. C'était des rollers. La main jaune à Paris, je crois. Ouais, c'était ça, mais il y avait un nom qu'on donnait à ces clubs-là. Il y avait un de concept rollers, en mode soirée plus, c'était roller. Roller Night ou je ne sais plus quoi, là. Mais c'était assez. C'est un truc ricain, ça. Bah, d'ailleurs, justement, ce soir, dans le live 80 Story TV, il y a beaucoup d'images comme ça de gens qui font du roller. Je pensais que toi-même, tu allais mixer en roller. Dommage. Mais j'y pense. Mais je suis très mauvais sportif. Donc, je pense que ça va être une catastrophe. Je suis assez maladroit en plus comme garçon. Donc, je pense. Et donc, ouais, je disais, ouais, roller disco, c'est ça que tu cherchais, Jim? C'est ça, c'est voilà. Ouais. Et le dernier club en France, c'était La Main Jaune et ça a fermé depuis 2010, c'est devenu un squat. Merci voilà. Pour notre envoyé spécial. C'est canon. Perdu de vue. T'as plein de big up en perso, hein. T'as Mathieu Lebrun qui est là, qui fait dans sa maison de 200 mètres carrés. Je sais, il y a Grégory Well, bon, on l'a dit tout à l'heure. Il y a Mathieu, il dit, as-tu déjà parlé de l'origine du nom de famille? Alors, est-ce qu'on parle de peut-être un peu plus de précision, Mathieu, si c'est par rapport à Danny Wilde ou à son vrai nom de famille, qui est, l'instant nous l'avons pas cité parce qu'on tient à garder l'anonymat sur notre invité aujourd'hui. C'est pas un secret du tout parce que ça apparaît sur plein de trucs. Non, mon vrai nom de famille c'est Longue Épée comme une longue épée, c'est vrai. Et c'est très drôle parce que. Je m'appelle Xavier Longuepée et ce nom en question, quand je vais jouer au Milton, les premières fois où je suis allé jouer au Milton, Mathieu, le patron du Milton, m'a présenté son papa qui est passionné d'histoire, qui s'appelle Michel, que je salue. Et un jour, ce Michel m'a dit « Oh là là, tu t'appelles Longuepée, il faut que je fasse des recherches. » J'ai dit « Oui, vas-y, Michel, fais des recherches. » Et puis, quand je suis revenu peut-être 6 mois après… Il y a une histoire très drôle, en fait, c'est que c'est Michel qui vient me chercher, c'est son papa donc qui vient me chercher dans le hall de l'hôtel à 1h du matin pour aller mixer, et il y avait la réceptionniste qui était là.
Et je vois les portes battantes qui s'ouvrent de la réception. Moi, j'étais appuyé contre le comptoir. Et je ne sais pas si je peux raconter ça, mais c'est drôle. Tu peux, bien sûr. On est entre nous, on n'est que tous les trois. Et Michel, son père, qui est quelqu'un de très détendu et très drôle, qui rentre dans le hall de l'hôtel, il ne me dit pas bonjour. De loin, il me dit, ça faisait 6 mois qu'on ne s'était pas vu, et il me dit, ça y est, je me suis renseigné. Et là, moi, je lui dis, mais de quoi ? Dis ton nom. Ça vient de telle époque, on appelait des gens comme ça, ceux qui avaient des... qui était un peu monté hors norme et tout, longue épée et tout. Et enfin, voilà, donc, tu vois, le truc... Et c'est surtout qu'il y avait... m'attends à la chute. Ben non, mais il y avait la réceptionniste de l'hôtel qui était derrière, qui m'a regardé, d'un seul coup, de la tête aux pieds pour vérifier. Vérifier, tu vois. Pour voir le fourreau, c'est ça. C'est le papa de Mathieu, quoi, voilà. Bon, l'histoire n'est pas vraie, parce que il a juste fait la blague parce qu'il y avait la réceptionniste de l'hôtel, mais... Mais ça vient de d'autres origines, mais pour la petite histoire, voilà. C'est donc, ça, d'accord. Bon, bah, au moins, on a le retour. Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis « elle est longue ». Alors, je ne sais pas si elle est longue l'histoire ou si elle est longue l'épée ou si elle est… Je ne sais pas. Mais en tout cas… Je crois que c'est… Ah, bah, c'est... Oui, non, mais c'est Karine, c'est sa femme. Voilà. Ah, bah, voilà. D'accord. Et bah, voilà, du coup, c'est… Alors, il y a super bravo, Michel, Marie-Claude Lebrun. On parle de vous, beau papa et belle maman. Bon, c'est un big up. Il y a Matt Perso qui est là toujours pour la blague de la journée. Rocco Ciferi dit si tu la ramènes, moins là. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est Matt Perso. Matt Perso, j'ai peur de l'inviter en live parce qu'il faudra mettre le logo pour la première fois en haut à droite de l'interview au moins de 18 ans avec lui. Ah ouais. Explicit lyrique, c'est tout. J'ai pas prononcé de vulgarité. Non, voilà. Toi, non. Mais non, toi, tu es Danny Wilde. Lui, c'est Matt Perso. C'est tout ce qu'il a en perso, il le balance en public, en fait. Bon, après, voilà. Là, je viens juste de tailler ma réputation en France en 2-2, c'est tout. Mais à part ça... Tu l'as taillé à l'épée, donc ça va. Je l'applaudis, tout le monde l'applaudit, ça fait partie de... Alors, du coup, je pense que là, tu as répondu à une question sur le sujet auquel on peut rebondir, et peut-être parce que les gens sont connectés, donc on va profiter de la situation, et je pense qu'il y a quelque chose d'important ce soir que tu fais. Et après, on continue tranquillement, mais vu que les gens sont attentifs à toutes nos blagues et nos discours, peut-être pouvons-nous parler de 80 stories by Danny Wilde. Oui. Non, pas. Ouais, c'est ça, by Danny Wilde, mais en collaboration avec APM, c'est ça, si j'ai pas bien compris. Alors non, c'est en collaboration avec My House Is Your House, voilà. Qui est le collectif de Jimmy Kyle, que vous connaissez aussi, voilà, qui est. Et en fait, c'est Jimmy qui s'est occupé de toute la partie habillage, graphique, et qui s'occupe de la diffusion de ce soir à 20h. Donc ça part de sa page et ça va être relayé dans à peu près 45 pages de clubs en France, des clubs avec qui je travaille régulièrement à longueur d'année. Et c'est un live un peu spécial parce que j'ai voulu en fait... je voulais pas faire un live où on filme aux platines, en fait, même si j'ai absolument rien contre. Au contraire, je trouve ça cool. Mais ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée d'habiller un mix disco et 80, donc sur la thématique de ma soirée, de l'habiller avec de la vidéo. Mais c'est un travail de titan qui demande énormément de temps et j'avais jamais pu le faire jusqu'à maintenant. Et ce confinement m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour le réaliser. Et voilà, donc j'ai passé 15 jours dessus. Ça dure 55 minutes et donc c'est un espèce de gros zapping vidéo qui va regrouper à peu près 400-450 moments de vie des années 70-80. Alors ça peut être des images de films, des scènes de danse qui sont détournées, ça peut être des images de publicité, des images d'invention de l'époque, des images des petits morceaux de série, des petites séquences de 3 des choses qui vont réactiver le cerveau de certaines ça. Époques. Exactement. Le but recherché, c'était ça, c'était de créer un melting pot de gros souvenirs, en fait. Voilà. Y a Matt qui dit « J'ai hâte d'être à 20h ce soir ». Est-ce que tu veux qu'on balance l'extrait? Comme ça, du coup, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tu nous as fait l'honneur, d'ailleurs, de qu'on ait l'exclu, en fait, de cet extrait. Et on vous invite tous vraiment à être connecté ce soir à 20h, mais on balance ça tout de suite, regarde. Vas-y. Ouais.
du coup, on a vu le petit extrait. Ça a l'air dingue. Et Ça a l'air dingue. Franchement, pour le coup, c'est super canon. C'est super canon parce qu'il y a un travail d'image. Alors, déjà, il y a une danse qui nous rappelle beaucoup de souvenirs avec Chris aussi. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, il m'a dansé. Voilà, c'est ceux qui connaissent ce passage. Mais voilà, nous, on a beaucoup. On est super impatients quand même de découvrir le travail qui a été fait sur tout autour d'eux. Ouais. C'est une façon un peu différente de divertir, voilà. Mais après, c'est vrai que je l'ai montré, j'ai montré le résultat final à 3 ou 4 personnes pour avoir des avis un peu différents. Après, maintenant je peux le dire en direct, ce truc-là, c'est quelque part, c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est l'histoire de la première partie de ma carrière. C'est dans quoi j'ai bercé dans les années 70 et 80. Toutes les images, moi personnellement, me rappellent un truc voilà. Alors évidemment, les gens sont pas au courant de toute ma vie, donc ça va me parler, ça parlera peut-être qu'à moi. Il y a des moments aussi où je rends un peu hommage à travers ces images à des gens que j'ai beaucoup aimés qui ont disparu. Mais c'est pareil, ça en fait, c'est pas que ça regarde que moi, mais j'ai voulu faire un truc un peu. Qui parle à tout le monde, mais qui soit aussi très personnel en même temps. Voilà. Donc, et est-ce voilà, que dedans, justement, comme tu dis ça, est-ce que dedans, tu auras des petits passages de vidéos de toi ou c'est vraiment que des vidéos que tu as allé chercher? Par exemple, des petits souvenirs de toi que tu as pu insérer, parce que ça donne envie, au final, ce que tu es en train de dire. De se dire, peut-être, il y a des petits messages que tu as vécu avec certaines personnes que tu as calé comme ça et puis ceux qui se reconnaîtront apprécieront, c'est ça? Ou alors, en fait, il n'y a pas du tout d'image de moi. C'est okay. Vraiment des trucs 70-80. Il y a juste une petite surprise. Dis pas tout. Non, je ne vais pas la dire, mais à arriver à 25 ou 30 minutes de la vidéo, je crois, ou un petit peu avant, je sais plus, j'ai plus le timing exact. Il y a juste une petite surprise avec, vous verrez ce soir, qui va, à mon avis, faire verser une petite larme à certains DJ et surtout à certains patrons de club. Ça va leur rappeler beaucoup de souvenirs. Je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure, voilà, en direct. Voilà, il y a une petite séquence de 20 secondes qui n'a rien à voir avec les années 80, mais que j'ai voulu placer parce que ça a été aussi un moment symbolique de ma vie, mais aussi de beaucoup de gens. Voilà, donc voilà. Surprise. On n'en dit pas plus. Franchement, t'as bien teasé le truc. Moi, j'ai vraiment envie d'être là. Ce soir, je pense qu'à 20h, ça va être apéro. Moi, perso, voilà, ce soir, on va tous le partager. 20h, on est tous connectés. Nous, d'ailleurs, petite parenthèse, on a pas oublié, mais. Oh putain, on n'a pas dit. On n'en a pas parlé avant. À 18h, on n'est pas là pour faire de la pub, mais à 18h, du coup, c'est parfait. 18h, nous, on fait un espèce d'apéro mix avec Flore de Cana. Et du coup, parce qu'il est presque 17h. Et du coup, à 20h, on se connecte tous sur ton live après. Donc, ça nous laisse 1 heure le temps de prendre une douche et de se mettre dans le canapé pour kiffer ensuite pendant 1 heure. Voilà. Excellent, c'est cool. Alors, voilà. Je remercie encore Jimmy pour tout le travail effectué derrière. Parce que c'est beaucoup de boulot de préparation, un truc comme ça. Et vu le travail, franchement, je pense que j'en ferai qu'un. C'est vrai. Peut-être pas, parce que si tu as réussi à en faire un en un mois, peut-être que, tu sais, comme les clubs et tout vont pas réouvrir. Et en fait, je pense que ce qui va te donner la motive, et ça, c'est vrai, c'est de voir le nombre de viewers et de commentaires et d'amour que tu auras ce soir à 20h. Ça va certainement te booster et tu vas te dire, je suis fatigué, peut-être. Mais il faut que j'en fasse quand même un autre et ça va te motiver sur ça. Alors, du coup, juste pour Jimmy Kyle, on lui met quand même des applaudissements. Voilà. Ouais, de ouf, parce qu'on sait que c'est un gros bosseur et on sait qu'il est à fond derrière son projet, donc big up. Voilà, il y a Kazou qui dit, Marie donc, qui dit « La longue épée au grand cœur, bisous Xavier ». Il y a Matt Perso qui met « Faut-il regarder masqué ?» De préférence, surtout toi, comme ça t'évitera de dire des conneries. Voilà. Alors, il y a Fredréo qui met « Fait plus de 3 heures d'apéro, m'arrange pas ce soir, mais bon, voilà, ça fait, je pense qu'il est déjà à l'apéro, lui, depuis un bon bout de temps. » Alors, pour la petite histoire, Fredréo, il a toujours une photo à la con de tous les mois, il change de photo. Il met elle est magique, on était le 1er mai, moi j'ai vu la salle d'aujourd'hui, j'ai rigolé. C'est juste incroyable, voilà. En termes de com, il est over kitsch, mais à 10 000% et c'est magnifique. Mais c'est pour ça, merci d'être là. Merci d'être là. Alors du coup, voilà, donc le rendez-vous est donné, 20h ce soir, n'hésitez surtout pas sur la page de Dany et je pense que tu vas oublier, donc
sur toutes les pages que vous verrez, parce qu'il doit y être, sauf si tu as la liste. J'ai la liste, mais ils sont beaucoup, hein. Ils Donc sont beaucoup. Écoute, si tu as envie de les citer pour leur faire un big up, tu peux. Si tu as juste par envie de contre, lire faut ta pas en page, oublier, hein, parce que c'est celui-là ouais, qui va t'en vouloir à vie. c'est le Alors problème. je vais démarrer pas par une page de club, mais une page d'une DJ que j'apprécie énormément, que j'adore et j'affectionne beaucoup pour X raisons, qui est Natalika. Voilà, donc je lui fais un petit Ok. coup. Super. Ça va être retransmis également sur Tahiti Music Prod. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu tout à l'heure. La page de Tahiti Music Prod, qui est une boîte de prod à Tahiti dont je suis un petit peu le directeur artistique. Donc on aura le Blackout à La Rochelle, le Raid à La Rochelle, le Club à Digoin, le troisième club à Morteau, le Nyx à Auxerre, le K2A à Bar-sur-Seine, le Caveau de l'Alma à Alès, le Gypsy à Le Sel, le Mayflower à La Rochelle, le Barvin à Montélimar, la Villa Nostra à Grignan, l'Eclipse à Castillon, le Carré à Cahors, le Before à Cahors, le Purple à Granville, la page des DJ de France, voilà, très important aussi. Coucou à Thomas, Mast. La Plantation à Guingamp, le C2A, je l'ai dit tout à l'heure, à Alès. Le Newland à Hyènes, le XO Discothèque aux Adrets, la salle s'appelle pas à Dijon, le Milton, évidemment, Mathieu à Saint-Lô, et son bar, sur la page de son bar aussi, qui s'appelle La Plage à Saint-Lô, le Brins à Gaillac, le Duplex à Castelnaudary, le Macumba à Lille, le Rota à Colmar, le Black Pearl au Cap d'Agde, le Chat Noir à Nancy, la Charrette à Brive, la Chapelle à Angers, le One à Brest, le Gossip à Vitré, le Mix à Saint-Flour, le 3 fois plus à Troyes, le QG à Albert, le Nocturne à La Braye-des-Pins, le Bounia des Pouilles à Troyes, le BAO à Toulouse, et enfin, non, il y a encore la suite à Lorient, et enfin le Moulin Rose à Rouen, Big Up Bernard. Voilà. Voilà. Et moi, je voulais dire merci à tous ces gens qui croient en toi et qui permettent aussi, grâce à leur page, de donner de la force aux artistes. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et qui le font et qui nous suivent aussi. Et vraiment, merci à eux de prendre le temps de partager des choses sur leur page, parce que ça fait quand même plaisir de voir qu'on a un peu de soutien, même si on passe dans les clubs et on n'a pas forcément le temps d'avoir des longues relations et de se voir souvent. Ces gens-là, ils font le maximum en ce moment et c'est un gros big up qu'il faut leur faire. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand j'ai eu tous ces clubs au téléphone, ils m'ont tous dit, et ça fait vraiment chaud au cœur, merci de penser à nous, vous, les DJ qui faites des lives et qui nous appelez pour faire des cross-posts sur notre page et tout, etc. Alors que moi, j'ai la démarche contraire. Je suis plus en train de les remercier, eux, De te laisser, bien sûr. de nous permettre encore d'exister, comme vous d'ailleurs, à travers votre émission, de nous permettre d'exister pendant ce temps de confinement, parce que c'est vrai que sans les clubs, on n'est plus rien. Donc, de toute façon, voilà, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour essayer encore d'avoir un petit peu de visibilité. Donc, voilà, je les remercie tous du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. C'est un vrai échange mutuel et cette solidarité en ce moment, elle est vraiment cool. C'est que du positif, en fait. C'est bien. C'est C'est ça. exactement ça. C'est ce qu'on a ressenti en fait au début, pareil, de ce confinement. Il y a eu quand même 2 semaines où on était tous là en train de se dire ouais, t'inquiète, c'est bientôt fini, c'est machin, ouais, de toute façon, là. Et puis il y a un moment où il y a eu une annonce qui a fait que tout le monde s'est dit bon, ok, je crois que là on est parti un peu dans la merde là. On va arrêter de se la péter, de se croire supérieur à quiconque ou quoi que ce soit, et on va tous commencer à s'entraider et bosser ensemble. Et puis c'est ça qui a reboosté un petit peu aussi. Ouais, on est tous au même niveau, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas. Il y a, y a, y a, y a les prétentieux ou les etc. Ça n'existe plus, quoi. Enfin, on est vraiment dans un. Alors, On est tous. ça fait un reset, je pense, sur ça. ça existe, mais on va dire, si on veut tous avancer dans cet élan et ressortir un peu la tête de l'eau, je pense que ceux qui existent ne font pas partie de l'aventure. Voilà. C'est la dynamique qui est en train de se créer. Il faut que tout le monde soit positif et que tout le monde avance. C'est un peu le cas de figure qu'on avait hier avec Lady Style, qui, elle a eu énormément de commentaires, mais elle a pointé du doigt le commentaire négatif, parce que c'est toujours les choses négatives qui t'interpellent, alors Bien qu'à sûr. l'inverse, il y avait 99,9% de commentaires positifs, mais il fallait qu'elle, au moment où elle s'arrête et qu'elle check l'écran, ce soit le seul commentaire négatif. Et ça, c'est un peu les choses qui déçoivent dans les réseaux et en France, et c'est pour ça que quand tu parles par exemple de Bernie ou des gens comme ça, comme le Duplex et tous ces clubs-là qui te soutiennent pour le live de ce soir, j'ai l'impression que c'est que des gens qui ont du cœur et qui ont toujours été derrière toi, qui t'ont toujours soutenu depuis des années, comme tu disais. Hier, tu m'as dit un truc, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu as dit que tu as construit au fur et à mesure des années ce que tu es aujourd'hui.
Je simplifie. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr, exactement. D'ailleurs, je rebondis sur Bernie, qui est le directeur artistique du Sceau, que j'ai eu au téléphone hier, et qui m'a dit, s'il m'écoute, là, je te rappelle dans 5 minutes. Mais il n'a juste pas précisé quelle semaine. Ça, c'est Bernie. S'il m'entend, Bernie, s'il te plaît. C'est Bernie. Ah, Bernie, là, il t'appelle. Il est censé checker. Il peut t'appeler en direct. Je veux pas faire le mec. Hein, mais... bravo, 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 bravo. Par contre, il y en a une qui a l'air un peu plus délavée, non? Je sais pas. Je la mienne, elle est pourrie. Voilà. Non, mais canon, voilà. Du coup, Bernie, je pense qu'il est en train de checker. Donc, il va voir un peu ce qui se passe. Et t'as plein de big up aussi en privé, t'as des gens qui commentent sur un peu tous les réseaux. Alors ceux qui n'ont pas compris, il y a Ange Myriam qui est là. Et ceux qui n'ont pas compris, pour l'affichage des commentaires, on est désolé, c'est vraiment pas pour se faire de la promo, mais vous allez sur la page Lumberjack et vous allez cliquer juste sur la vidéo, vous affichez le même commentaire, vous faites un copier-coller de ce que vous avez posté sur la page de Dany, et ensuite on pourra l'afficher comme... celui de Fred Réau qui met Bernie Sauron, placement de produit en live. Ou Pascal Léoti qui dit on connaît le même Bernie mort de rire. Alors je sais pas si c'est le Bernie qu'on connaît, moi ça s'écrit avec un Y. C'est le même Bernie qui te dit je te rappelle et qui rappelle pas. Voilà, ici on est que des gens positifs. Snake et Guetta sont aussi confinés que vous et moi, tous égaux. Bah ouais, tous égaux, pas avec le même porte-monnaie, mais tous égaux, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors du coup. Quoi que tu me diras, quand t'as de l'argent et que tu dois rester chez toi dans une surface de 30 mètres carrés, tu peux pas le dépenser, donc c'est des choses, voilà. Alors on va attaquer une question surtout toi qui est un peu quelqu'un de culturellement cultivé. Cultivation ouais. Agricole. D'accord. On va sauter, on mélange un peu les questions aujourd'hui. C'est vendredi. C'est vendredi. On est jour férié, les gars, c'est ça aussi. On est en mode freestyle, à la cool, on se prend pas la tête. Et on est cool, on a l'air d'être bien. Donc, du coup, si tu avais un top 3, on va l'attaquer maintenant parce qu'en fait, comme on doit rebondir sur d'autres choses, ça va nous faire un peu voyager. Mais si tu avais un top 3 dans toute ta carrière, toi qui as une culture musicale assez développée, de sons à donner, un son que tu kiffes, un son que tu joues énormément, un son que tu aurais aimé produire, un son qui t'a servi dans un moment particulier, etc. Un son qui te rappelle des souvenirs. Enfin, voilà, un top 3. Tu peux faire 3,5 si tu veux. Bah écoute, si j'avais été producteur dans les années 70, j'aurais aimé être Giorgio Moroder. C'est quelqu'un qui est voilà. C'est quelqu'un qui est... Ouais, je vais viser très haut, hein, voilà. Si là, je suis déjà... Non, mais on veut du top, tu vois, on veut les pépites, tu vois. Mais voilà, après, sans rentrer dans trop pointu, non, moi, c'est vrai que je suis fan de disco, de soul et de house. Pas trop funk, parce que la funk, bon, c'est, voilà, on commence à approcher la période un peu plus, on commence à se rapprocher de la période qui est hip-hop après, et ça me parle un peu moins. Mais dans le disco, je dirais la discographie de Diana Ross, la discographie de Donna Summer, de Stevie Wonder, très black, voilà, dans l'état d'esprit. Très black et très disco. Les morceaux que j'aime beaucoup, Donna Summer on the Radio, c'est un morceau qui me fera toujours vibrer. C'est vrai. Jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, tu sais que c'est ouf parce que tu l'as juste dit et je l'ai direct dans la tête et ça y est, je suis en train de me dire, je vais l'avoir tout à avec la voix. Il fait partie de la programmation du live de ce soir d'ailleurs. Je ne peux pas ne pas le mettre dans une. Ah oui, d'accord. Tout le côté Stevie Wonder, Aretha Franklin, Donna Summer aussi, Diana Ross, pardon, excusez-moi, j'avais dit. Diana Ross, le morceau The Boss qui est juste une tuerie, par exemple, quoi, voilà. C'est des morceaux que je prends plaisir à écouter depuis que je connais ça, depuis 25-30 ans, et que j'écoute encore dans ma voiture aujourd'hui, je ne m'en lasse pas, mais vraiment pas. Et pour rebondir dans les soirées spéciales 80, tu les joues des fois? Bien sûr. Ah oui, ouais, tu prends toujours plaisir à les jouer, les amener en club. Ah ouais, tout à fait, ouais, je les joue. Et puis après, là, ce qui est cool dans les soirées disco et 80, c'est que musicalement, c'est très large. On va pouvoir aller dans des trucs français qui vont plaire aux filles. Et ça, je suis très surpris d'ailleurs que des jeunes de 20-25 ans connaissent cette musique-là. Parce que c'est incroyable. On remerciera Nostalgie. Pour la voiture des parents, on connaît, hein. On peut leur jouer un morceau cultissime français comme un Gérard Blanc, Une autre histoire, par exemple. J'avoue. Qui est juste un morceau incroyable.
ils vont chanter les paroles par cœur. Et là, quand on est en régie, on se dit, mais d'où ils connaissent ça, quoi? Ils ont... Bah, c'est très fédérateur cette période. C'est incroyable. Ouais. En fait, c'est une musique qui est à cette époque-là, on réussissait à faire de la musique qui reste dans le temps. Chose qu'aujourd'hui, on est plus dans une période de consommable où ça va très très vite et il y a peu de choses qui restent en fait, très peu de choses. Donc, c'est la course au timing en plus. C'est celui qui sort le plus de sons le plus rapidement parce que quand l'autre il sort un son, il faut en sortir un pour lui faire de l'ombre et c'est la course infernale. Alors qu'avant, tu sortais un son. Il y a encore des génies qui font ça, mais tu sortais un son et tu le laissais, tu tournais un an avec un track ou même deux ans, et maintenant avec un track limite en radio, ça tourne une semaine et c'est fini quoi. Si je me trompe pas, les dernières en date dans la musique électronique, les mecs qui ont fait ça, c'est Stardust, c'est des choses comme vraiment qui sont vraiment des gros hits, hein, ou un Benassi. Satisfaction, ouais. Après, le seul actuellement qui fait vraiment ça, et on en a parlé plusieurs fois avec Jim, c'est Ed Sheeran, qui se dit j'arrête les réseaux, mais j'arrête tout pendant un an. Je compose 10 titres, je sors 10 cartouches, mais solides, genre vraiment la sulfateuse, et après je repars. Et là, c'est son année où il est disparu, donc on le voit plus. Et il disparaît, et à chaque fois, il arrive à retrouver quelque chose de nouveau, et c'est ça qui est cool. C'est pas cette course à la fin d'empoigne, tu vois, mais c'est vraiment cool. Alors, je vais juste faire une petite pause si je peux te couper parce que il y a Bernie qui dit on se calme, voilà, et il a dit j'arrive à l'instant. Donc Bernie, si t'es encore sur le live, le message était clair, c'était que tu ne tiens pas tes promesses sur les coups de fil, et ça, on va le souligner devant toute la France, voilà. D'ailleurs, je vais mettre en épinglement le numéro de Bernie pour que vous voyez quand est-ce qu'il vous rappellera. Depuis hier, 23h, où il devait me rappeler 5 minutes après, j'ai pas dormi parce que j'attendais son coup de fil. Il y a quand même une engueulade, il y a Bernie qui dit « Respecte Pascal Léotier, respecte mon pseudo, sale ingrat ». Voilà, parce qu'il a écrit Bernie IE, alors que c'est Bernie avec un Y. Et c'est que de l'amour cette émission. Alors, ça se voit. Je vais lire quelques commentaires parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça fait clic, 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 clic. Il y a les références, elles te calment direct. Très motone. Il y a Francky qui dit hello les amis, bis à Dani, il a de bon goût et du talent, ce jeune débutant. Il y a Pascal Léotti qui rigole, qui répond à Bernie, qui dit j'ai pas trouvé le Y sur mon clavier. Il y a David qui salue les amis. Hâte d'être à ce soir. Loïc qui dit The Boss. Lionel Gallia qui est parmi nous. Voilà, Big Up Onyx. Voilà, Big Up Onyx. Salut David, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est Mayfleur de La Rochelle. Olivier Schmidt qui dit Chris, change de métier, deviens chanteur. Je crois que c'est Chris Gvalet. C'est pour le Donna Summer. Voilà, c'est pour le Donna Summer. Tu vois, tu imagines où on en est seulement. Attention, ce soir, la prog, c'est lourd. Encore une belle émission et hâte de voir la vidéo mix de Dani ce soir. Il y a Bernie qui dit on est dans une émission de retraité. Voilà. On les a bien éduqués, Francky. La mode est aux édites disco. C'est vrai qu'il y a une espèce de vibe disco house qui revient beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que ça inspire énormément et ça fait une vague de fraîcheur. On se croirait. Limite, en fait, c'est la deep d'il y a 5 ans. Ça se transforme un peu en disco house. Ça, tu dirais un peu ton avis. Y a la force des mélodies et des gimmicks dans les années 80. Il y a énormément de commentaires. Alors il fait ok, on voit, nanana. Et très bon souvenir d'une soirée avec Dani, ça c'est Pierre Nicolas. Alors, est-ce que tu veux qu'on montre un peu le teaser de ce que ça donne 80 Stories en soirée? Ouais, alors ça c'est la soirée avec laquelle je tourne le week-end en France dans les clubs. De France et de Navarre, ouais, carrément. Il y a un petit teaser de présentation, ouais, allons-y, tu peux y aller. Et t'as un big up de Nathalie sur le dernier commentaire avant qu'on balance le teaser, c'est parti. Do you remember 21st night September? I'm
Voilà, je pense Magnifique. que y a tout qui est dit dessus, donc on peut pas mieux entendre l'envergure et l'étendue, et comme j'avais dit hier, je crois que c'était l'éventail de musique de ces années. Donc, Titre qui a été tourné au Milton d'ailleurs. Ah, Ah, big up à big Mathieu. up à Mathieu et à toute la famille qui regarde aujourd'hui, hein, je crois. Donc, gros big up. En plus. Alors, t'as des beaux retours, hein. Super teaser, poids, il envoie lourd le teaser. Alors, attention, le teaser est joli, mais le teaser est fait pour booker la soirée. Donc, dès que vous ouvrez les clubs en attendant de prévoir tout ça, il faut aussi faire venir l'artiste. Et donc, Dani, du coup. Mais il Merci. y a énormément de gens qui mettent c'est génial, fan, enfin voilà, je vais pas tous les afficher, mais ça déborde, donc je te laisse en parler, t'as le temps pour convaincre les gens. C'est incroyable, on se prend une boule d'énergie et d'amour dans votre émission. Ça fait vraiment Ouais, plaisir. Hein. Vraiment, c'est le but, on est là pour ça, on est là pour partager ça et fait vraiment, s'amuser. vraiment du bien. Vraiment. Bah Vraiment, voilà. vraiment. Merci à tous. Ça c'est gentil. Bah, c'est un peu le but, tu vois. C'est ne pleure pas. Alors il y a quelqu'un qui a mis aujourd'hui, c'est les DJ sont en mode casquette lunettes et je tiens à le signaler. Oui. Nous sommes en mode casquette lunettes et ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il y a un renouveau des DJ confinés qui après le confinement vont tous arriver avec des lunettes parce qu'ils ont tellement bossé sur l'ordi pour vous faire des lives que du coup ils en ont perdu leurs yeux. Mais voilà, en tout cas c'est un nouveau style. Perso, moi, je préfère casquette lunettes que claquettes chaussettes, tu vois. Mais ça, c'est mon avis perso. Hein. frérot, attention, on récupère le hashtag tout de suite parce qu'il y en a qui vont le récupérer. Allez. Claquettes, chaussettes, ça appartient à DJ Snake et tout ce qui est clan Marseille et tout ça. Nous, on prend casquettes, lunettes, c'est parti. C'est Voilà, bon, je c'est l'ai mis, je le pin, comme passé. ça, tout le monde, Allez, on est personne ne me bon. dira rien. Et c'est parti. Bon, non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est pour donner de la bonne humeur, mais aussi, tu vois, quand on a des invités qui sont de qualité, sans faire de léchage de tapis, c'est vraiment ça qui fait que les gens réagissent. Et je pense que là, tu as surtout des gens en commentaire qui te suivent depuis des années. C'est pas juste des gens qui viennent de te découvrir. Et c'est des gens, je pense que s'ils te commentent aujourd'hui positivement, c'est parce que tu les as toujours respectés. Et on parlait de cette notion de respect hier ensemble. Et, je pense que c'est ce qui vaut énormément dans le cœur de certains. Donc, c'est pour ça que tu as du soutien aujourd'hui et que tu as autant d'amour. C'est parce que tu leur en as donné. Voilà, c'était le petit mot. J'ai pas fait mon Ouais, c'est G-Style, vrai, mais c'est vrai. c'est le petit mot. Tu sais, pourquoi je fais ce métier-là à la base, pourquoi je me suis découvert cette passion quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, c'est que quand j'ai mis mon premier disque en club, mes premiers disques, je me suis dit, mais en fait, c'est une super façon pour moi de donner du bonheur aux gens. C'est vrai. Et ma motivation de base, elle est là, en fait. Bon, c'est de faire danser les gens, évidemment, mais c'est tellement kiffant intérieurement de pouvoir faire sortir les gens de leur contexte actuel et de leur faire oublier des choses lorsqu'ils sortent en club ou en festival ou dans une soirée privée. Ce sentiment de satisfaction quand on va se coucher et qu'on se dit, putain, ce soir, j'ai fait une bonne action quelque part. Et en fait, c'est pour ça que c'est une façon pour moi d'avoir trouvé ça, de dire, voilà, on éclate les gens, on leur donne du bonheur Bah, je pense et que après quand j'aime tu un peu ça. voilà, et quand tu rentres chez toi, tu es content, tu as fait ton boulot, tu as fait sourire les gens, tu as donné du kiff, et quand tu dors, tu t'endors bien, je crois. Ouais, c'est ça, Ce exactement. qu'on dit souvent, c'est vrai que les gens qui viennent en boîte de nuit, on est là aussi pour les divertir et leur faire oublier la semaine un peu difficile pendant 2, 3, 4 heures selon les sets qu'on fait. Mais on a un but de les faire un peu s'évader. Et ça aussi, c'est un truc qui est quand même très plaisant. Et je pense Complètement. que toi, en plus, par rapport à ta sélection et par rapport à ton énergie, et à chaque fois qu'on t'a vu, enfin, on sait comment c'est, il y a vraiment un côté très festif. Et très enjoué, qui donne vraiment envie de s'amuser. Et je pense que le soir, tu dois te coucher à chaque fois quand tu rentres des clubs vraiment en mode smile. Tu dois dormir avec la banane, quoi. Ouais, je me réveille avec. Ça, c'est déjà pas mal. Il y en a qui portent la banane aussi, mais pas au même endroit en ce moment. Donc, Ah. On pourrait alors, parler de l'épée, mais c'est ça. Alors, attends, c'est en référence aux années 80, la banane, c'est ça? c'est ça, voilà, exactement. Exactement, Exact. exactement. Il y a Alexandre qui dit on peut même sortir les dossiers. Alors, moi, je vais passer un avis de recherche. Bon, alors. Attends, attends, attends. Attends, laisse-moi parler. Je Vas-y, vais dire à tous ceux qui ont des souvenirs avec Dany de nous les envoyer en photo sur la page Coffee Break et de nous vas-y. les Non, en... Comment?
Privé. En privé, bien sûr. Attention, Et nous, on sélectionne, t'inquiète, je suis déjà sur la et page. on fera un album pour le prochain Coffee Break de Dany. Et surtout, non, ça c'est pour la blague, mais surtout, mettez en commentaire l'endroit où vous l'avez découvert pour la première fois, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont au taquet sur ça. Et surtout, il y a Eric Stillet qui est attentif, Camille. Dany a donné le nom de son premier club en tant que résident, mais pas en tant que guest. Ah, il y a une histoire là-dessous. Dany a donné le nom de son premier En club tant que résident, en en tant fait, que tout à l'heure, quand on t'a résident. posé la question, on t'a dit... Ah oui, mais pas en tant que guest. Ben oui, parce que je m'en souviens plus. Mais je pense que Eric va pouvoir te dire, va Non, pouvoir te peut-être redire. que... Alors, ce qui est incroyable chez Eric, ce mec-là, qui a tourné pendant des années, qui tourne encore un petit peu d'ailleurs, alors c'est un des meilleurs amis d'Antoine Clamaran. D'accord. Et c'est un de mes meilleurs amis aussi. On se connaît depuis presque 30 ans. Et on l'appelle dans ses proches le DJ-nieur, parce que la semaine, monsieur est ingénieur. Ok. Son vrai métier, c'est ingénieur. Et quand il part en club, on l'appelle le DJ-nieur parce que le mec part toujours avec si un jour vous le voyez jouer, il arrive, il branche ses clés USB. Et à côté de lui, il a un livre où est référencé tous ses MP3 sur ses clés USB. Et sur chaque MP3, il y a comment il construit le morceau. Pour qu'au moment où il mixe, ce soit le plus efficace possible, que ça tombe pile poil, hyper carré. Ah Donc, oui, là. vous écoutez un mix d'Eric, c'est un peu le Clamaran bis, quoi. Ah oui, avec le livre, il a éclaté Saint-Clar avec sa Bible Winnetou. Là, c'est vraiment la dynamique, c'est ça? Ouais, Excellent. c'est couplet, refrain, bam, bam. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il joue vraiment les originaux de l'époque. Très peu d'édits, très peu de réédits d'aujourd'hui qui sont hyper carrés. Les originaux de l'époque des années 90-2000, il y avait beaucoup de couilles de loup. Enfin, ce qu'on appelle une couille de loup, c'est des fois 2 temps ou 4 temps qui se Ah. mettent dans un morceau et ça va décaler le mix et ça va pas. Et les voix vont se superposer, ça va pas être joli. Avec Eric, il n'y en a pas. Eric, il n'y a rien qui dépasse, tout est Ça? carré et ses mix sont hyper efficaces. Ouais, il m'a toujours impressionné. Et quand il arrive en club, c'est vrai qu'à chaque fois, quand les résidents l'ont jamais vu, ah bah, il sort de sa petite mallette son casque, ses clés USB et Son petit cahier. son petit classeur. Il l'ouvre à côté comme ça et tout le monde se dit: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, non, mais pour ça, il est incroyable. Ça, Et c'est... Alors, voilà. C'est que ça me donne envie de découvrir. Alors, ça donne envie Ouais. de découvrir. Ah, ça vaut. Et surtout, ça, je vais encore parler de lui parce que c'est bizarre, mais aujourd'hui, il y a deux... Alors qu'on n'en a pas parlé depuis un mois, mais du coup, ça me rappelle le cahier de Bob Sinclair que Bob Sinclair a toujours avec lui. Et ça fait 25 ans qu'il a un cahier avec lui quand il mixe. Et ça nous a toujours fait rire. Et même à aujourd'hui, à l'époque des clés USB, ça nous fait encore rire. Et je pense que même demain, avec la clé mise dans le doigt, il aura toujours son cahier, même s'il n'y a plus de Moi, papier. on a tous pour nos. l'anecdote de Sinclair, moi, ce qui m'avait fait très rire, c'est qu'on était au Pacha avec lui, on était passé à l'hôtel avant, et il était trop content, il était parti, nanana, il part au club. Bon, en même temps, l'hôtel est à 200 mètres, hein, il y a une rue à traverser, tu fais. Voilà. Et je me souviens toujours que le seul truc qu'il avait pris, c'était son cahier. Mais Par pas les contre, il avait clés. oublié à l'hôtel, pas les clés USB, pas le casque. Et en fait, il avait totalement zappé. Pour lui, le truc le plus essentiel pour sa soirée, c'est son cahier. C'est C'est son ça, cahier. Ouais. C'est On a incroyable. toutes des petites habitudes comme ça. Alors, il faut quand même imaginer qu'à l'époque, moi, j'ai découvert les clubs parisiens avec Eric, donc ce fameux Eric d'un côté, et ils m'ont emmené voir Antoine au Palace, au Queen, et il me disait: Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai pris des leçons sur leçons, quoi. C'était juste incroyable. Et j'ai été bercé par tout ça, donc il y a plus de 20 ans, et c'est comme ça que j'ai été formé. C'était un petit peu mon UCPA d'aujourd'hui, C'est quoi. ça. J'étais sur le terrain. Voilà. Alors, est-ce que... Bon, parlons de l'UCPA, parce qu'on aime bien leur faire des petits big up un peu tous les jours. Est-ce que toi, tu as un lien avec l'UCPA? Quelconque. Ouais, à l'époque, si elle m'écoute, il y a Stasia qui m'avait présenté à l'UCPA. J'avais passé une journée complète. Après, il y avait des petits problèmes une journée complète pour éventuellement devenir formateur. Il y avait des petits problèmes logistiques parce qu'à l'époque, c'était au Normandou, je crois. Exactement, à Poitiers, ouais. Et c'est vrai que ça me prenait 2 jours par semaine. Je venais de loin, de Paris. Ça leur coûtait un petit peu cher au niveau du train, etc. Donc ça s'est pas fait. Mais c'est dans les tuyaux pour que je sois éventuellement examiné. Ouais, Examinateur. c'est ça, c'est ça. Pas examiné, pas encore, mais ça c'est... Cultivateur, examinateur, pareil. Même combat. Peut-être pour une session, une prochaine session. Alors quand je sais pas, parce qu'évidemment, Bah on me dit maintenant, des. oui.
Mais voilà, mais en tout cas, c'est très bien qu'une école comme ça existe. Après, on n'enlèvera pas la fibre de ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est quand même un métier artistique, donc c'est de l'art. Donc, quelque part, on l'a quelque part peut-être, ce métier de DJ enfui en nous, et l'UCPA va vous aider à extérioriser ce talent caché, si vous en avez un, quoi. Voilà, donc c'est cool. Bah ça, c'est vrai que nous, on incite un peu les gens justement à aller s'inscrire parce que, comme on dit, si ça existait partout en France il y a 15-20 ans, je pense qu'on en aurait tous profité. Et ceux qui n'en profitent pas, c'est un peu bête parce qu'en 2 ans, ils peuvent apprendre ce que nous, on a mis peut-être 15 ans des fois à toujours pas apprendre. Et ça, c'est chiant. Regardez, là, on s'entraîne à faire des lives depuis un mois, alors qu'à l'UCPA, vous pouvez apprendre un peu à créer tout ce qui est lumière, machin, vous renseigner un peu sur plein de choses. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, je vais juste faire un big up pour un élève qui est sorti il y a quelques années de l'UCPA et qui a fait un live que j'ai vu. C'est Florimond Zipper, qu'on connaît tous. Hein. Oui. Qui est un ancien élève UCPA, faut le dire, qui a fait un live sur YouTube de ouf, avec visuel, enfin vidéo, un truc habillé, léché de ouf. J'ai vu ça ce matin. Il mixe, et en plus, à côté, bon, il a un VJ avec qui il bosse tout le temps. Et le truc est d'une monstruosité, techniquement et visuellement. Vous allez prendre une claque. Donc, petit big up à Flo, parce que je sais que tu tiens beaucoup à ce projet, et c'est vraiment canon, quoi. Alors, ça a été mon live jockey au Queen. C'est ça. Enfin, mon live jockey. C'est vrai. Ça a été le régisseur du Queen, et on a bossé très longtemps ensemble. C'est un fou furieux. Vraiment. Bah, tu vois comment il était avant au Queen. Bah, là, il a fait pareil sur sa vidéo. C'est tout. Il n'y a rien qui déborde. Ça ne m'étonne pas. C'est un déglingo. Vraiment. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. C'est clair. D'accord. Alors, du coup, on va passer à un truc. C'est tout bête. Attends, laisse-moi réfléchir comment je peux te l'amener. Alors, c'est tout con, hein. Mais si on appelle Danny Wilde, du coup, parce que maintenant, toi, on va dire, tu as une étiquette un peu Stories 80, etc. Et tu as une étiquette Danny Wilde, si je peux me permettre. Ouais, si demain, on a un style à donner à Danny Wilde, en tant que Danny Wilde, hors années 80, et qu'on veut le booker dans un club, je te pose une question, parce qu'il y a eu des demandes, qu'est-ce que joue Danny Wilde, etc. Et nous, on avait une question qui était, quel est ton style actuellement? C'est-à-dire que si tu as un style en tant que Danny Wilde, quand tu joues, par exemple, un radio show pour Radio FG, ou quelque chose en tant que Danny Wilde, voilà. D'accord. Alors ouais, en fait, bah, je rebondis là-dessus, où j'ai donc deux casquettes. C'est ça. J'entretiens ma soirée disco et 80 suite à la résidence que j'ai eue au Queen pendant des années sur la soirée disco Queen le lundi soir qui n'existe plus depuis, et donc j'ai ce côté là et j'ai également le côté producteur de house music, si on peut dire ça comme ça, house, tech house ou disco house, enfin tout ce qui englobe la house music. Et de ce fait, j'ai ma résidence sur Radio FG à Paris. Voilà, donc je salue toute l'équipe, Arnaud, Jimmy, Antoine, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment ces deux casquettes, mais qui sont à peu près, enfin qui arrivent à s'emboîter parce que le disco est aux origines de la house music et dans mes productions, je sample énormément. Je suis quelqu'un qui bricole beaucoup avec des samples disco. Donc, quelque part, ça s'assemble bien tout ça, voilà. Ok. Donc, j'ai un concept de soirée qui est 80 stories, avec lequel je tourne le plus, évidemment. Puis, à côté de ça, j'ai quelques bookings en club où là, c'est un peu plus house et pointu. Alors, nous, on avait un souvenir de, justement, Castelnaudary, la fête du cassoulet, où on s'était mis une petite vingtaine de minutes à côté de toi, et puis on t'avait entendu mixer, et c'était pas années 80, c'était vraiment ton style... très disco house et tout ça, et ça rendait vraiment bien parce que c'était en mode ça, comme on dit, ça fait voyager, c'est les sons justement où t'es pas obligé de jouer ce qui se passe en ce moment dans le top 5 Spotify, etc. Et franchement, pour le coup, ça donnait... Mais c'est vrai ce que dit Jim, c'est vrai que moi j'ai un bon souvenir de ce moment où c'est vrai qu'il y avait ce côté voyage et toujours cette touch disco house qui vient vraiment de ce que tu joues aussi dans les soirées 80, que tu gardes aussi un peu dans ton set, mais vraiment plus house 2020. Et c'est vrai qu'il y a, je trouve qu'il y a un vrai fil conducteur dans ta musique, qui est que ça soit en tant que DJ ou en tant que producteur, qui se suit, quoi. Ouais, on peut en général, quand on prend exemple, quand je joue pour à Castelnaudary, c'est des sets qui durent 4 heures. Je fais pas un set classique de 2-3 heures, là on est sur du 4 heures, 4 heures et demie.
Donc, je vais démarrer sur des trucs un peu plus old school, disco, et puis monter progressivement sur de la house ou de la disco house. Et ça s'emboîte terriblement bien. Enfin, du moins, j'espère que ça s'emboîte plutôt bien. Et surtout là-bas en extérieur avec le cadre Ouais, voilà, c'est idyllique. ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ce cadre aussi que Aussi ce côté-là qui est important. quand tu joues en extérieur et qu'il fait beau, tout de suite, la musique est perçue différemment que quand tu es en plein hiver et que tu joues dans un club et que tout le monde s'entasse et tout le monde dit, je vais payer mon entrée pour être chaud. Mais voilà, c'est un peu autre chose. Alors, avant d'attaquer deux autres questions, est-ce que toi, tu as un sujet auquel tu aimerais toucher deux mots particulièrement? Qui te vient en tête, un truc qu'on aurait pu peut-être oublier, qui est quand même important, même si on rappelle de ne pas oublier ce soir de vous connecter à 20h pour suivre ce live exceptionnel que tu fais du coup en cross-post. Tu as peut-être quelqu'un que tu as perdu de vue et que tu voudrais qu'on parle, que tu veux passer un appel Ça, pour retrouver son visage. c'était l'émission Perdu de vue Perdu avec de vue. Jacques Pradel à l'époque. Exactement. Exactement. Alors, Exactement. Mais nous, ça fait une semaine qu'on est à fond dessus. ça fait une semaine qu'on a dit Ouais, on va lancer le concept. Si vous avez un ami auquel ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, vous laissez un petit message. Et en fait, avec notre service de recherche, on va le rechercher, on va le retrouver dans Coffee Break spécialement pour vous. Parce qu'en fait, on rigole, mais on a créé des rencontres de gens qui s'étaient perdus de vue, justement, depuis des années. Sur notre live, des gens qui collaborent ensemble, des gens qui créent des choses, et ça c'est assez marrant, et du coup c'est pour ça qu'on fait un petit clin d'œil à ce hashtag perdu de vue qui revient un peu sur le tapis. Mais Non, et c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est ça, c'est que c'est magnifique pour ça. C'est beaucoup d'inconvénients, mais c'est aussi magnifique pour plein de choses. bien J'ai sûr. retrouvé mon meilleur ami d'enfance avec lequel j'ai travaillé quand j'étais, avec lequel j'ai démarré mon métier de DJ. On s'est retrouvé grâce aux réseaux sociaux, des anciens collègues de travail à l'époque où j'étais résident dans des clubs quand j'étais un peu plus jeune. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Alors sur le sujet que tu voulais pas oublier, non, je voulais faire un petit coucou à TIT Music Prod, qui est Voilà, c'est ça. une agence de prod de prod et d'événementiel à Tahiti. J'ai eu la chance de partir à Tahiti il y a 4 ans, je crois maintenant, une première fois, et de travailler avec eux, de faire 3 dates sur place, et je suis tombé littéralement amoureux de la Polynésie française. Et de ce fait, ils m'ont demandé d'être un peu leur consultant français ou un peu leur directeur artistique. Alors, le mot est grand pour ce que c'est, mais en tout cas, essayer de leur envoyer des DJ pour faire des soirées en Polynésie sur des séjours de 10 jours, parce qu'eux n'avaient aucun contact. Donc, on a commencé notre collaboration avec Christophe et Kalou, mes deux collaborateurs que je salue. Et puis, on a commencé à envoyer Des des artistes. DJ. C'était ouais, des artistes. C'était bien parti jusqu'au confinement. Alors, il y avait plein de trucs de prévus cette année, donc évidemment, on a tout annulé. Mais on a quand même fait. Bon, voilà, on a démarré avec Gull. Il y a eu Eric Hoffman aussi qui a fait plusieurs dates. Et dernièrement, bah, juste avant le confinement, c'était Superfunk, Stéphane B. Ok. Voilà, qu'on a Canon. envoyé là-bas. Et les gars, j'ai la bonne nouvelle de vous dire, ou la mauvaise nouvelle de vous dire, que vous étiez sur la wishlist. Ah merde. Alors, et moi j'ai la mauvaise nouvelle de te dire que c'est à cause de notre présence sur ta wishlist que du coup ça a été annulé. Vous n'êtes pas des chats, Non. mais c'est vrai que j'avais pour idée d'éventuellement vous le proposer et qu'on en parle. Voilà, mais bon, bah, Bah ça sera écoute, peut-être l'année c'est. prochaine, on verra quoi. Voilà, Écoute, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. ouais, Et puis carrément. peut-être que le confinement va nous faire jouer du rap français, donc tu ne sauras même pas pouvoir nous booker d'ici 3 mois, parce qu'on va devenir des confinés fous furieux et tout ça. Non, mais je rigole, je Ouais, rigole. j'espère pas. Non, non, c'est pas vrai. Alors, attends, il y a quelqu'un qui dit, tout à fait, grâce à vous et DJ Fou, j'ai retrouvé Stéphane Bouchard que j'avais perdu de vue depuis 20 ans. Ah ben Ben voilà, voilà, tu écoute, vois, hein, on moi je en félicite parce que apprend. c'est beau de voir grâce à ça. Et ça nous touche aussi parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à se retrouver grâce à. Voilà, grâce au live. Du coup, c'était vraiment une blague parce qu'il y a vraiment des amis qui blaguent avec ça et tout ça, mais comme quoi. Alors, il y a Jimmy qui dit, c'est Danny le chat noir, Bernie pourra confirmer. Ouais, oui, ça c'est une histoire de match de foot en fait. Parce qu'en fait, une fois, Bernie, je l'ai tanné pour qu'il m'emmène au Parc des Princes voir un match du PSG parce que j'avais jamais vu un match de foot au Parc des Princes. Et puis un soir, il me dit, bah allez, vas-y, je déplace, on y va. Et pour une fois, Paris joue contre je sais plus qui
un genre une équipe de bas de tableau et ils se prennent une tôle. Et depuis, il m'appelle le chat noir. Voilà, il veut plus m'emmener, avec lui. Et voilà. Donc, surtout que dans le foot, quand tu as des gros footeux, généralement, ils te mettent de côté directement. Hein. Ils choisissent leurs copains de foot. Quoi. En plus, ce soir-là, il y avait tous ses potes, ils m'ont tous regardé. Le petit nouveau, tu l'amènes plus. D'accord, ok. Non, mais le pire, c'est quand même c'est que c'est Paris. Donc, c'est rare de tomber sur un match où ils perdent à domicile. Et toi, t'arrives le jour où il faut pas, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Et puis moi, j'étais ultra motivé. J'ai dit, putain, je vais voir une victoire de Paris et tout. Mais en fait, non. Voilà. Alors, attends, il y a un message de Geoffrey qui dit, c'est moi le chat noir, faut lui demander à Dany, il va confirmer. Alors, j'ai pas le souvenir de Geoffroy. Bah, Geoffroy, je vois très bien qui c'est, mais j'ai pas le souvenir d'une anecdote avec Geoffroy. Eh ben, écoute, Geoffroy, on va lui demander de la mettre en commentaire s'il s'en souvient. Ouais, carrément. Alors, si tu devais, et là c'est une des dernières questions avant d'attaquer la fameuse question du café. Non, si du coup tu avais une soirée vraiment dans toute ta carrière qui t'a vraiment marqué, un peu comme les sons, mais là c'est une soirée en particulier. Et là c'est pas une et demie, c'est vraiment soirée directe. Après tu peux en avoir deux, attention, parce qu'on a compris que des fois il y a des gens qui avaient une soirée par rapport à la foule et une soirée qui a été marquante dans leur début de carrière et tout ça. Donc tu peux quand même, mais vraiment une soirée qui est la plus importante pour son ressenti ou quoi que ce soit. J'en ai malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, j'en ai beaucoup. Si vous me permettez, je ne vais pas choisir une soirée, je vais choisir un moment, juste un moment qui restera grave. Et de lui. Il ne m'a pas payé, hein, je vous rassure, c'est Antoine, évidemment. en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'allais le voir au Queen à l'époque, au bout de 2-3 ans, on commençait à se connaître un petit peu. Puis un soir, je vais le voir un dimanche pour les Overkitch. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les dimanches soirs au Queen, c'était archi blindé de monde. Et il y avait une ambiance incroyable. C'était plutôt une soirée à tendance gay. Et ce soir-là, je fête mon anniversaire. J'étais avec mon meilleur pote et... Et puis, je vais lui dire bonjour en cabine. Et puis, on apporte du champagne, je crois, etc. Et j'ai dit, tiens, je trinque à mon anniversaire. Et là, il me dit, c'est ton anniversaire. Ouais. Et il était 3 heures du matin. Et à l'époque, la cabine était encore en hauteur. Et puis, d'un seul coup, il se retourne au bout de 2 minutes. Et il me tend le casque. Il me dit, tiens, vas-y, mix. Wow. Là, je lui dis, mais t'es sérieux? Il me dit, ouais, vas-y. Et je peux vous réciter exactement ce que j'ai fait, avec quel morceau, les deux disques que j'ai mixés, vous refaire le mix là maintenant. Si on a... Je m'en rappelle comme si c'était hier dans les détails, tellement j'étais liquide, parce qu'évidemment, je me retrouve dans un truc comme ça. Il était 3 heures du matin, c'était en pleine bourre en plus, tu vois, donc c'était carrément chaud de chez chaud. Et j'ai mis ce disque, j'ai rendu le casque, je l'ai remercié, je suis sorti du club à 6h du mat. J'ai fait un malaise. Et j'ai dit à mon meilleur ami Cyril à l'époque, je lui ai dit, écoute, un jour, c'est ça que je veux faire. Enfin, j'étais déjà DJ, il m'avait déjà vu jouer Antoine une paire de fois, mais j'ai dit, c'est là que je veux travailler, c'est là que je veux jouer, c'est dans des clubs comme ça que je veux jouer. Et ça a marqué ma carrière, ça m'a beaucoup influencé, ça m'a donné une motivation incroyable pour la suite des événements et de ce qui s'est passé. Et 15 ans plus tard, j'ai eu cette résidence au Queen. Comme quoi, il faut toujours y croire et réaliser ses rêves, quoi. Essayer de réaliser ses rêves, tout du moins, quoi. Mais, c'est un beau message d'espoir, ouais. Ce moment-là, peut-être qu'Antoine ne s'en souvient pas ou il s'en souvient, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que plus tard, je sais quel effet ça fait de faire ça à un passionné, puisque je l'ai vécu. Et sur les derniers temps du Queen, avant la fermeture, j'ai laissé mes platines à 2-3 personnes, juste pour mettre un disque comme ça en pleine soirée ou en fin de soirée, justement pour qu'ils aient le même kiff. Sans aucune prétention, aucune. Hein. Je me rappelle de Mathieu Lebrun, justement du Milton, qui est aussi DJ, et qui était venu me voir un soir, et je lui ai dit, vas-y, mets un disque. Oh, t'es sérieux? Ouais. Et bah, tu veux l'anecdote de ouf, parce qu'il y en a un qui commente pas beaucoup là. Il y a Fred Deluxe qui fait Yo l'ancien. Ouais, bah oui. Fred qui a été un acteur incontournable du Queen sur plusieurs soirées, notamment les samedis soirs, bien sûr. Évidemment, big up Fred. Un gros big up. Bah écoute, ça c'était, je pense, on a fait un beau.
mélange et une belle découverte de tout ce que tu as pu faire. Alors, tu sais, je vais te poser une question, mais attention, il ne faut pas la prendre mal parce que tout à l'heure, tu as dit que tu as été bercé par les années 80-90, c'est ça? Donc, est-ce que. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. et on a posé une question en début de semaine. Toi qui as connu les années 90, justement, est-ce que tu les as connues en tant que clubbeur ou est-ce que tu as connu ces années-là en tant que DJ aussi ou est-ce que juste en tant qu'amateur de musique? J'ai démarré mes premières soirées, ça devait être, enfin avec la radio tout du moins, ça devait être en 95, un truc comme 95. ça. Et justement, en plus, toi, tu as bossé en radio. Qu'est-ce qui a Comment? changé? En plus, toi, tu as bossé en radio. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a changé, entre guillemets, dans le game entre les années 90. 90, 2000 et aujourd'hui, pour toi, en un mot, enfin, qu'est-ce que t'as... Parce que nous, on a eu une belle réponse de J-Style, parce que c'est vrai que nous, on est un peu focus sur le fait que les réseaux et la jeunesse et tout ça ont changé. Et lui, il a dit, c'est l'habitude des clubs. Il a dit que le fait d'être habitué à quelque chose, eh ben, à un moment, tu t'en lasses, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est un peu... T'es content au début quand c'est nouveau et puis après bah, t'as trop l'habitude donc tu sais plus vraiment apporter de l'importance à cet objet ou à cette chose et c'est vrai qu'on le voyait pas du tout comme ça et ça nous a fait réfléchir un peu autrement donc est-ce que toi t'aurais une chose à dire à ce sujet? Ben, il n'a pas tort du tout. C'est dans le sens, je rajouterais aussi qu'on est, ouais, on prend des habitudes. À l'époque, on pouvait s'identifier, garder des moments, des instants présents sur des morceaux, sur des endroits, sur des titres, sur plein de choses. Aujourd'hui, notre société de consommation fait que tout va vite et que même un nouvel endroit qui ouvre et qui est à la mode, en 2, 3 ans, peut très vite se retourner, se retrouver par terre. Si cet endroit-là ne se met jamais, ne se, ne se met, pardon, ne se, Renouvelle pas. mais, Renouvelle pas. ouais, voilà, ne se renouvelle pas et se remet jamais en question, on est sans arrêt dans la recherche de nouvelles idées, de trucs innovants, etc. On parle souvent de réinventer la nuit. Moi, j'y réfléchis beaucoup. Je vois pas comment. Ouais. C'est très compliqué. Donc, faut tout le temps apporter des choses parce que les gens se lassent vite. C'est vrai. Mais ça, c'est notre société actuelle qui est comme ça. Dans plein de choses, ne serait-ce que par exemple Ed Sheeran qui va sortir un titre, il va durer un mois, après on va le mettre à la poubelle parce que, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il va falloir passer à autre chose, ça va vite. C'est terminé cette époque où on reste figé sur les choses, ça avance tellement vite aujourd'hui que ouais, c'est ça qui a changé. Et puis je pense aussi musicalement, on a un petit côté festif qu'on a perdu. Qu'on avait dans les années 90-2000, on avait beaucoup de morceaux, que ce soit dans la dance ou dans le R&B, ou que ce soit, etc., où on pouvait s'identifier, on pouvait chanter, on pouvait reprendre des refrains par cœur à tue-tête. Alors j'ai des morceaux bêtes qui me viennent à l'esprit dans les trucs un peu populaires comme Gala, Free From Desire, comme Helmut Fritz, comme plein de choses comme ça, on pouvait chanter. Ah, Du coup, le clubbeur pouvait s'identifier. Aujourd'hui, je trouve que cette musique festive a disparu, ou du moins. Il n'y en a plus beaucoup, et je pense que c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui, de 20-25 ans, on sont allés puiser dans les années 90-2000 pour essayer de trouver quelque chose, un manque qu'on n'a plus aujourd'hui. je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que c'est ça qu'on trouvait que c'était marrant, c'est qu'aujourd'hui, même les titres qui sont sortis il y a un an, tu ne les rejoues pas, alors qu'un titre des années 80-90 que tu joues, ça marquera toujours les gens. Et c'est ça qui est ouf, c'est que nous, on a rigolé d'un titre, par exemple, qui est sorti il y a 2 ans. Et on a dit, bon, vas-y, tu sais quoi, c'est sorti il y a 2 ans, on va le jouer. Les gens, ils connaissaient pas, parce qu'en fait, bah, ceux qui étaient devant nous, ils avaient 18-20 ans, et en fait, bah, ils ont écouté les sons qui sont sortis que depuis un an, et pas ceux depuis 2 ans. Et limite, en fait, même un titre, j'ai une connerie, qui a fait un tube il y a 3 ans, et bah, tu leur joues aujourd'hui. Ils s'en foutent, ils veulent le titre qui est sorti la semaine dernière, juste pour faire genre, on écoute le dernier titre de la sortie, quoi. Donc, c'est un peu, ça a beaucoup changé. C'est vrai que ça a beaucoup. Ouais. Bah oui, puis c'est valable aussi pour les années 80, je le vois, à ma grande surprise, non, je vois tous ces jeunes de 20-25 ans qui sortent en club et qui dansent sur des bandes To Be Alive ou des Sylvester C'est indémodable, c'est ça. C'est juste incroyable. Et c'est vrai que chaque morceau que je joue sur une 80 Story, t'en as pas un qui est par terre, quoi. Ils sont tous festifs, les morceaux, quand on regarde bien, qu'on fait le tour de la playlist. Alors attention, je parle de musique populaire, hein. Je parle pas de musique électronique, de house, de tech house ou des choses un peu plus pointues et branchées ou tribales, etc. Là, on est dans un autre registre. Là, je parle vraiment d'un aspect commercial et populaire. Voilà. Je pense qu'il y a un petit côté festif qu'on a perdu et c'est un peu dommage. Voilà.
Bah ça, je pense que tu as bien résumé le dossier. Alors, est-ce Ça, j'ai qu'il pas nous su. manque un petit truc ou tu as un petit big up à faire passer pour qu'on s'attaque à la dernière question de l'émission, histoire de garder les De pas gens, de dépasser les pouvoir les 18 heures. laisser un petit peu, de ne pas dépasser 18h, parce que nous, on a un live à attaquer dans 15 minutes. 14 minutes. Voilà, et puis aussi, du coup, suivre un peu tout ce qui va se passer ce soir, et puis voilà, respecter un peu l'ambiance. Donc, est-ce que tu as un big up à faire passer en particulier ou, Ouais, vite fait, voilà, j'ai un nouveau titre qui sort le 22 mai, qui est en collaboration avec Sébastien Lewis, qui est un Voilà. producteur de Montpellier. Un titre qui s'appelle qu'on a produit ensemble, qui est Disco House, qui s'appelle Sunshine Hotel, et qui est signé en Angleterre, et ça arrive le 22 mai là. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Hop, le 22 mai, on note que tu reviens faire une apparition avec Sébastien Lewis dans l'heure d'avant, Feedback, où on a plein de DJ producteurs, pour présenter le titre à tout le monde. Comme ça, on se fait ça entre nous. Avec grand plaisir. À la cool, ça c'est noté. Voilà. Et un autre big up peut-être, parce que du coup, je sais que tu devais parler du track vite fait avec Clamaran aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais vu que Ah j'en ai parlé ouais. beaucoup. Alors ça, c'est un peu, c'est pareil, voilà. Vu que c'est quelqu'un que j'admire et qui m'a beaucoup apporté, mon rêve, mon rêve, mon objectif de producteur. C'était de faire un track au moins une fois dans ma vie avec lui, pas pour me la raconter, ni me la péter, ni parce que pff, aucun intérêt, mais juste pour peut-être dans 20 ans me dire putain, j'ai fait ça à l'époque, c'était cool quoi. Enfin, voilà. Donc. Ouais, et puis même, au moins te dire un peu comme le Queen, te dire je l'ai fait parce que bah, Ouais. tu l'as respecté et tu as ouvert des portes aussi. Enfin, il y a eu des choses. Donc je pense que juste pour résumer l'histoire, c'est une belle histoire justement de le faire. Ah mais carrément, puis en plus, moi je suis quelqu'un de très discret, très timide, un petit peu, enfin voilà, quand même, j'ai un petit peu ce côté-là qui est chez moi, et j'ai jamais osé lui demander. Et un jour, j'ai Laurent Potras, son associé, son ex-associé, puisque Laurent est décédé, paix à son âme, le pauvre, qui avec qui je m'entendais très bien, et qui s'occupait également de mes signatures, de mes éditions, etc. Donc j'étais ami aussi avec Laurent. Je l'ai au téléphone et puis on parle de ça et tu sais j'ai un truc que j'aimerais bien faire une fois dans ma vie un jour avant d'arrêter c'est de faire un titre avec Antoine et Laurent me dit mais bah, pourquoi tu n'y as jamais demandé? Je dis, bah, parce que voilà j'ose pas et puis on se pose pas comme ça avec comme un cheveu sur la soupe voilà il me dit non mais bon à l'occasion propose-lui des trucs et tout et puis voilà puis un jour on s'est vu en studio je lui ai fait écouter un bout de sample que j'avais démarré il avait trouvé ça pas mal c'est resté en stand-by et puis un an après Antoine m'a écrit pour me dire t'en es où avec ce track et je lui dis écoute pour l'instant j'ai toujours rien fait dessus mais il me dit bah allez feu on y va on taffe ensemble et j'étais hyper content c'était l'année dernière alors après il y a eu le décès de Laurent qui a retardé énormément de Bien choses sûr. et c'est normal et puis là il est pratiquement terminé et je souhaite que ouais que ça sorte un jour voilà juste pour un kiff perso quoi voilà tout simplement Bah, et, ouais, tu m'étonnes. Alors nous, on tient quand même dans ce genre de situation à avoir un petit peu Louis sur le track. Donc dès que tu auras un petit extrait avec Antoine, de nous le partager avec grand plaisir pour qu'on puisse découvrir un peu l'ambiance. Bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. Eh ben voilà. Bon, écoute, pour respecter tout le timing, on est plutôt pas mal. On va passer à la dernière question. Donc, tous ceux qui sont là, si vous avez un big up à faire passer à Dany pour qu'on puisse afficher les commentaires et lui faire passer avant la fin, n'hésitez pas en commentaire sur la page Lumberjack. On va poser la question du cafetier juste après ce petit jingle de même pas 10 secondes. Donc, reste là. Et puis, Chris va se charger de te poser la question. Apparition. C'est parti. On se boit un café chez moi? Voilà. Ah, Ah, il est il revenu sait que dans c'est son là. rêve. Il est sur le quai de la gare, il s'est dit c'est le moment Il est d'y aller. Donc revenu. je vous fais un big up et je vous dis au revoir. Alors, Mais avant, attends. dernière question. Attends qu'on rigole bien. Attends, du coup, on va s'organiser, on va faire un petit truc. Voilà, on va mettre ça et on va mettre ça. Voilà, du coup, on laisse avec sa gare Je crois qu'il y a gare de l'Est là. Hein. Il reste 5 minutes avant le départ du train, donc je vais devoir aller vite. Alors c'est très simple. Ça va être le nouveau jingle pour la question du Du cafetier. café. Allez, c'est parti. Alors, c'est très simple. Si tu étais un café, lequel serais-tu? Alors moi, je bois beaucoup de café. Je serais un café court, serré, que je prendrais dans une petite ville en Italie qui s'appelle Venise, dans un petit bar de quartier où on sait faire le café. Ah, monsieur est dans la qualité. Bah, Ouais.
N'oublie pas, alors, on n'oublie pas le décor, on n'oublie pas le décor. J'avoue que j'aurais préféré être en gare de Vannes. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, bien sûr. Je sors tout de suite. Merci, merci. Voilà. Merci à la régie technique. En gare de Vannes. Voilà, on est là, on est présent. Effets spéciaux, hein. Effets spéciaux. C'est magnifique. Et moi, je trouve que c'est super intéressant pour un final parce que c'est là où on se croise souvent. Et du coup, comme ça, on peut dire un gros big up à tout le monde. Et puis, c'est vrai qu'il faut quand même expliquer aux gens qui nous regardent qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est sur le quai d'une gare entre deux trains. C'est on est en train de fumer une clope, là, et d'un seul coup, on lève la tête. Et, oh, vous êtes là! Et à chaque fois, c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est très marrant parce qu'à chaque fois, on se croise et ça nous fait grave plaisir parce qu'on va souvent dans les mêmes directions ou pas très loin. Et, ouais, et ça fait plaisir d'avoir un collègue de train. Et c'est à ce moment-là, à chaque fois, il y a un contrôleur qui passe et qui nous dit « Mais vous êtes ensemble et tout ?» Non, non, c'est juste qu'on s'est croisés. Et c'est vrai que c'est super drôle. Ça, c'est vrai. Big up à tous les contrôleurs de France. Alors, t'as plein de big up hein, sur les commentaires et tout ça. T'as Geoffrey qui dit big up. T'iras voir tranquillement. Nous, on te conseille voilà, justement de prendre un petit peu de temps pour répondre à tout le monde. T'as Laurent qui dit « Merci à toi, Dani, pour ton talent et ton humilité à ce soir, donc 8h. » tous connectés pour Dani, on va tous partager, on va tous faire une séance live en perso et tout ça pour vraiment profiter un peu et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent voir tout ça. À très vite sur Van, Dani, big love de Matt perso, etc. Voilà. Merci Dani, on va nous récupérer pour une petite minute le live pour remercier tout le monde de cette semaine et remercier ta présence et passer un petit message. Et puis, bah, du coup, si tu as une dernière chose à faire, un petit bisou à tout le monde, un gros big up à tout le monde. Bah, j'irai sur ma page Facebook ou sur une des pages des Clubs en France pour la 80 Story TV. Et puis, merci à vous, les gars, encore une fois, de m'avoir invité. C'est hyper cool, vraiment. Et je reviens quand vous voulez. Hein, vraiment, c'est un pur plaisir. C'était cool. Merci beaucoup. Merci à toi énormément. Et puis, nous, on se retrouve très très vite vraiment et puis on va suivre ce soir, on va te le montrer, on va partager et merci à toi et puis on va se revoir une prochaine fois parce qu'il y a eu énormément de dossiers en photo qui sont arrivés donc on se fera une petite back to the back Dani Wildstone. Dani Wildstone. Je crains le pire. On te les enverra quand même pour validation. Merci frérot. Ouais, je préfère. On t'enlève de la discussion et on se rappelle juste après pour un petit débrief. Merci beaucoup, ciao. C'est cool, ciao. Et du coup, on se retrouve avec Chris qui va revenir avec moi ici. Et on va juste prendre la parole deux petites minutes déjà pour vous remercier parce que c'était une semaine vraiment folle avec le nombre de connectés qu'il y avait sur tous les lives cette semaine. On a eu DJ Fou, on a eu J Style, on a eu hier Lady Style, on a eu Sylvain Armand. On a eu J Style. Voilà. Et Dani White aujourd'hui. Voilà. Du coup, je pense qu'il y a un petit décalage parce que Chris a du mal à m'entendre directement. ça décale. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on a eu Dani White, donc grand merci à lui, merci à vous tous. N'hésitez pas à lui laisser des commentaires, à aller dessus sur ses réseaux et tout ça. On va pas prendre trop la parole. En fait, tout ce qu'on a à vous dire, c'est que dans 5 minutes, nous, on doit démarrer un live. Donc, on va vite fait de se changer, de se préparer et de bouger. Et on va démarrer un live et c'est un live assez marrant parce qu'on a mis une nouvelle config. Donc, on vous invite tous à suivre et à partager si vous voulez. Puis on vous dit, je pense, à lundi. N'oubliez pas de rester chez vous. N'oubliez pas de rester tranquille, de checker. Il y a énormément de choses sur les réseaux. Il y a la télé. Voilà, profitez un petit peu. Et puis, c'est bientôt fini si tout le monde y met du sien. Et puis, on se dit à lundi, 15h. Qu'est-ce que t'en penses ? Compte sur vous, les gars. Allez. Les filles. Ciao. À plus tard. Ciao, ciao. Merci.